À tous. Bonjour. bonjour, bonjour. Comment ça va Alors aujourd'hui, petite revue d'actu. On va principalement parler de la réforme des retraites. Donc, je vous ai mis deux vidéos de côté principales avec euh, donc euh, Michael Zemmour, un économiste et docteur. Euh, en économie, je sais plus à quelle fac qui a été invité par Apolline de Malherbe ce matin pour un grand entretien 35 minutes, c'est pas du tout habituel pour le coup pour pour RMC le matin normalement c'est plus 20 minutes, 22 minutes comme sur comme sur France Inter les habités politiques. Du coup là je sais pas ce qu'il leur a pris, je pense qu'ils se sont dit on va un peu faire un gros sujet réforme des retraites par rapport à la mobilisation qui est attendue demain. Et du coup, euh, bah, on va voir ça. Et ensuite, je vous ai mis euh, pareil ce matin sur France Inter. C'était Laurent Berger, le, direct, enfin, le chef de la CFDT qui était sur France Inter. Donc, on va écouter ça et entrecouper d'une euh, chronique de Clément Viktorovitch sur France Info, euh, celle d'hier, sur du coup, euh, les zones à faible émission, apparemment. Et ensuite, euh, on finira par. Euh, les Marioles, euh, je ne sais pas si vous avez suivi globalement ces Blast euh, qui, a, qui est en train de, de relancer globalement les Guignols de l'Info, hein, même si ce n'est pas les Guignols de l'Info, bref. Euh, parce qu'évidemment ils n'ont pas les droits sur le nom, hein, c'est une marque hein, les Guignols de l'Info. Donc ils ont appelé ça les Marioles et euh, les deux premiers ne m'avaient pas trop convaincu. Et en fait, le dernier qu'ils ont fait est déjà beaucoup plus sympa, mais apparemment, ils ont pas les, les trois, sur les trois épisodes qui sont sortis jusqu'à présent, ils ont, enfin, en gros, ce n'étaient pas du tout les mêmes personnes qui les ont écrits. Et donc là, apparemment, depuis le dernier épisode, donc le troisième qu'ils ont sorti, et donc celui-ci, c'est euh, vraiment une team d'auteurs qu'ils ont pris, dont euh, Max chaba si j'ai bien compris, qui est le fils d'Alain Chabat, qui avait pas mal bossé avec son père sur Burger Quiz, et, euh, et Usul. Euh, dans, euh, donc sur le dernier épisode et le celui qui est sorti là euh, hier soir. Donc euh, voilà et si on a un peu de temps après, on essaiera de regarder la vidéo qu'on n'avait pas pu faire la, la semaine dernière, jeudi dernier. Voilà. Du coup, on va lancer ça. Euh, je vais juste me mettre le chat à côté. Ah, voilà. Mettre. Ah yes, oui, c'est pas une mauvaise idée. Salut Charles. Il bah, faudrait que tu me les envoies. Tu me les envoies ou euh, remarque après si tu les as mis sur SoundCloud, à la limite je pourrais te euh, je pourrais te les mettre. Euh, good, c'est parti. On va lancer la première vidéo. Euh, et du coup là, au niveau... Euh, ah super. Et au niveau du, du son, là, on est bon, euh, Charles, ou pas Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que j'ai un peu baissé le gain de mon micro par rapport à la dernière fois. Je me suis aperçu sur le replay qu'il y avait un petit bruit de fond, un petit bruit blanc qui devrait être ne plus être présent là. FM TV. Bonjour Michael Zemmour. Bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste. Vous spécialiste de la protection sociale, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, et vous êtes non, devenu le visage de l'opposition, le visage et la voix, parce que vos mots sont très précis, de l'opposition à la réforme du gouvernement. Vous êtes d'ailleurs un économiste engagé, je trouve ça important de le préciser, euh, parce que vous ne faites pas que de l'économie, vous vous êtes aussi mêlé de politique. Vous aviez signé en juin dernier un manifeste de soutien. Au programme économique de la okay, Nupes, qui euh, prônait notamment une retraite à 60 ans. On va y revenir dans un instant parce que j'aimerais bien comprendre euh, justement votre contre-réforme en quelque sorte ou comment est-ce qu'on pourrait faire. Euh, mais d'abord cette euh, une du Parisien hier, Olivier Dussopt qui dit il n'y a pas de perdant pour cette euh, réforme. Ça vous fait bondir Bah oui parce que c'est pas vrai. Euh, C'est une réforme qui est destinée est à faire des économies, beaucoup, en baissant les dépenses de retraite. Et donc, mécaniquement, elle va faire beaucoup de perdants. Alors d'abord, du côté des montants de pension, mmh. ce n'est pas le cas le plus général, mais il y a des personnes qui vont perdre en montant de pension des personnes qui avaient prévu de travailler au-delà de l'âge du top plein et qui vont perdre leur décote, les personnes aussi qui vont être concernées par l'allongement de la durée de cotisation de 42 à 43 ans à un rythme accéléré, qui peuvent voir leur pension baisser si elles n'ont pas une carrière complète, puis surtout les perdants ou les perdantes, c'est les personnes qui vont devoir décaler leur départ en retraite. Par Donc là exemple... vous dites perdants à la fois sur l'argent ouais. et sur les années évidemment. Alors sur l'argent un petit peu, sur les années beaucoup, euh, des personnes très nombreuses. Par exemple, une personne qui aujourd'hui a 60 ans, qui avait prévu de partir dans deux ans pile, elle va devoir partir neuf mois plus tard. Ou alors, une personne qui a 55 ans aujourd'hui, par exemple une femme avec un enfant et une carrière, qui pouvait partir à 62 ans pile, va devoir partir à 64 ans. Le départ à 62 ans ou 63 ans sera interdit. Donc mmh. évidemment, la réforme fait des perdants, beaucoup. Et c'est étrange d'avoir euh, le gouvernement qu qui essaye de, annuité, hein. de flouter un peu les effets directs de la réforme, parce que la première chose, et c'est ça mon travail, c'est pas tellement d'être engagé, c'est de donner des grilles de lecture sur les effets de la réforme pour voir si elle vaut le coup ou s'il n'y a pas d'autres possibilités. Alors, vous excusez un peu d'être engagé. On va, on va y revenir, mais sur cette. cette point précis, c'est vous qui aviez levé le loup, en quelque sorte, sur cette façon d'avoir présenté les 1 200 euros comme étant presque une petite retraite, c'est-à-dire que désormais on avait le sentiment que personne ne serait en dessous des 1 200 euros. Certains mmh. au gouvernement, en tout cas, ont laissé euh, sciemment planer le doute. Vous estimez que c'est pas juste une erreur de communication, que c'était une stratégie. Euh, je pense qu'il y a eu les deux. Il y a eu des personnes euh, qui ouais. ont été imprécises dans leurs commentaires <laughs> des personnes euh... qui ne savaient pas. Et puis, il y a des personnes qui ont laissé volontairement entendre. Une... C'est ça. À mon avis, typiquement, euh, Franck Riester, quand il a été interrogé dessus et qu'il a dit euh, je ne sais plus quel chiffre euh, hallucinant, euh, je crois qu'il avait dit que ça concernerait euh, 200 000 personnes, un truc comme ça, par an. Enfin, euh, c'était n'importe quoi. Et qu'en parallèle, il avait dit que les, les femmes seraient perdantes de la réforme. Enfin, on voyait que le gars, il était à la rue, quoi. Franchement... Euh... Donc en effet, je pense qu'il y a une partie de manipulation et une partie d'incompétence. Une retraite minimum à 1200 euros. En tout cas, c'est ce que tout le monde a compris. Pas tout le monde. Une partie de la population, une partie des journalistes aussi, a compris qu'il y aurait une retraite minimale à 1200 euros. Et si vous vous rappelez, il y a même un moment où la réforme a été justifiée. Le, le gouvernement disait, il faut qu'on fasse la retraite à 64 ou 65 ans pour faire la retraite à 1200 euros. Bon, bah ça, ça tient pas. Il y a bien une mesure sociale dans la réforme, mais très modérée, une revalorisation de certaines petites pensions. De quelques dizaines d'euros, une trentaine d'euros pour les nouveaux retraités, un peu plus pour les anciens retraités, 50-60. Et j'aimerais bien qu'on comprenne justement précisément. Prenez le temps. Allez-y. C'est vraiment le moment. Je veux dire, cette semaine va être une semaine cruciale. On attend demain ouais, donc, euh, une là, ont... France quasiment à l'arrêt. À genoux, demande même la CGT. À... C'est le moment de refaire fort. un point parce qu'en plus, elle a beaucoup évolué cette réforme. Et, et je vais vous demander bien. dans un instant si euh, elle est encore valable du point de vue même du gouvernement et des économies qu'il s'était engagé à faire. Mais sur ces 1200 mmh. euros, prenons le temps parce qu'à nouveau, Olivier Dussopt, hier, dans cette interview euh, aux Parisiens, précise sur les 1200, près de 1,8 millions de retraités actuels verront leur pension revalorisée en septembre. Cela ira jusqu'à 100 euros par mois. Près de la moitié d'entre eux auront une augmentation entre 70 et 100 euros. Est-ce vrai Je pense que ce chiffre est vrai. Le dernier, je ne l'ai pas vérifié. Mais globalement, il y, y a deux choses di différentes. Premièrement, la réforme prévoit une fait, revalorisation pas une de certaines petites mais pensions pour les personnes qui sont parties à la retraite sans décote et qui ont une pension faible. Et cette revalorisation elle est comprise entre 0 et 100 euros et elle se chiffrera à 33 euros par mois en moyenne pour les nouveaux retraités, 56 euros par mois en moyenne pour les personnes qui sont actuellement à la retraite. Donc c'est une revalorisation pas très ambitieuse mais sensible pour certaines petites pensions. C'est ça qu'il aurait fallu dire depuis le début. En fait ça aurait été honnête de le dire comme ça Bien sûr, mais simplement ça c'est pas une mesure qui justifie la retraite à 64 ans. Oui, c'est une mesure de revalorisation comme on en a connu plein et qui peut se voter au Parlement rapidement. Et puis, à côté, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que, pas que du tout les mêmes on a chiffres en France à peu près 5 millions de personnes qui ont une pension faible, inférieur inférieure à 1200 euros, à majoritairement euros des femmes, à plus de 40% Pardon. des femmes ont une pension directe de moins de 1200 euros bruts. 40, 45%. Et donc, après la réforme, ça, cette image-là, elle va pas bouger. C'est-à-dire qu'on aura toujours On aura à peu toujours près le même nombre, 40%. Pour... Peut-être 200 000 en moins sur l'ensemble des retraités, mais on aura toujours 4 700 000 ou 800 000 personnes qui auront une pension inférieure à 1 200 euros. Et ce sera toujours majoritairement des femmes Et ce sera toujours majoritairement des femmes. Alors oui. ces personnes, elles ont éventuellement d'autres ressources, par exemple le minimum vieillesse, mais le minimum vieillesse, ce n'est pas 1 200 euros, c'est beaucoup moins. Si votre conjoint a une ouais, retraite, vous ne le touchez euros, pas. Et donc, il y a vraiment un décalage entre ce message d'un minimum garanti, qui est une bonne idée par ailleurs, un minimum garanti pour les retraités. Ça existe dans d'autres pays et ça résoudrait beaucoup de problèmes. Donc il y a un, un décalage entre Quel ce problème, message. Quels problèmes Les problèmes là. de la pauvreté, évidemment, euh, des retraités, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Bah, dans le fonctionnement de notre système de retraite, effectivement, vous avez des personnes avec des carrières très incomplètes ou euh, des, per... <coughs> des personnes qui ont eu des faibles salaires et qui vont toucher 200, 300, 600 euros de retraite, ou alors des personnes qui vont attendre l'âge de 67 ans pour toucher finalement une pension très faible. Mais dans le même temps, vous avez des gens qui auront bossé toute leur vie euh, pour des salaires modestes et qui se diront, bah, finalement, je me retrouve avec la même, la même, euh, les mêmes pensions de retraite que ceux qui ont moins bossé que moi. Ça recrée une autre forme d'injustice, non Alors, la même non, parce qu'aujourd'hui, l'immense majorité des personnes qui ont une carrière complète sont déjà au-dessus de 1200 euros. C'est là aussi où il y a un hiatus, c'est-à-dire que la plupart des personnes qui sont en dessous de 1200 euros aujourd'hui n'ont pas une carrière complète. Est-ce que cette réforme, du point de vue de l'engagement du gouvernement, a toujours un sens euh, Je vais essayer de vous mmh. vous demander. C'est évidemment difficile, mais de vous mettre dans la peau d'Olivier Dussopt. Quand Olivier Dussopt annonce euh, sa, mmh. sa réforme, euh, il précise Politique que c'est pour revenir à l'équilibre en 2030. L'idée, c'est qu'en 2030, il y aura un déficit de 13,5 milliards d'euros et que donc avec ce passage de 62 à 64 ans, il va même passer à un excédent, puisque il devrait y avoir un excédent euh, en 2030 de 4, 2 milliards d'euros. Sauf que depuis, il y a eu un certain nombre de concessions, d'évolutions, d'aménagements. Petit à petit, tout ça, ça se chiffre. Est-ce que vraiment, hein, quand on regarde le texte tel qu'il a évolué à la fois à l'Assemblée, aujourd'hui au Sénat et dans les engagements du gouvernement, il y a toujours de l'excédent en 2030 ou est-ce que même cet engagement-là, il est euh, passé à la trappe Dans son interview d'hier, le ministre dit qu'il n'y aura pas d'excédent, il y aura plutôt un léger déficit en 2030. Donc c'est déjà fini, c'est déjà fichu Moi, je n'ai pas les chiffres et c'est un des problèmes de la réforme. C'est que même que, en faisant euh, pas ça, à pas, on manque de documentation. De par exemple, il y a des aspects de la réforme euh, qui sont, euh, qu qui sont chiffrés par ailleurs mais qui n'accompagnent pas ça le texte à l'Assemblée nationale. Ce que certains ont appelé le coup caché de la réforme. Par exemple, le fait qu'il va falloir augmenter le nombre de prestations chômage. c'est ça, ça c'est hyper important, c'est que faut pas oublier que plus on recule l'âge de départ à la retraite, moins en plus le taux d'emploi il est fort dans ces dans ces tranches d'âge là, et donc plus en fait on augmente en parallèle de, du recul de l'âge de départ les cotisations, enfin en tout cas les prestations sociales, que ce soit le chômage. RSA, euh, tout, toutes les prestations sociales qui auraient été versées euh, que seulement jusqu'à 62 ans, parce qu'à partir de 62 ans, euh, une personne aurait pu... Euh, une, un bénéficiaire, en tout cas, de ce genre de, 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 de salaire, de traitement, euh, aurait, été, euh, aurait été à la retraite. Et là, du coup, pendant deux ans, il va toucher ces prestations sociales euh, qui vont faire que, du coup, euh, c'est un coût en plus ou de RSA, parce qu'on va maintenir dans la précarité avant la retraite plus de 100 000, 100 à 200 000 personnes. Mmh. Donc il y a des coûts cachés, on n'a pas un tableau complet à la fois de ces coûts cachés. Pas, ou il n'existe pas ou il nous est pas donné Alors il existe en partie quand vous regardez les, les documents communiqués au Conseil d'orientation des retraites début janvier, donc bien avant la réforme. Le fameux corps. Voilà. Ah, le corps, ils ont fait Mais beau, hein. il n'a pas été actualisé, il n'accompagne pas la réforme dans le débat au Parlement. Donc il manque ces chiffres-là et il manque aussi étape après étape dans les discussions avec les républicains notamment le chiffrage des différentes mesures. Donc aujourd'hui... Déjà Olivier Dussopt lui-même reconnaît que l'objectif d'être à l'excédent en 2030 n'est pas atteint. Est-ce que ça veut dire au fond que euh, cette réforme euh, est déjà morte C'est-à-dire que en fait si l'objectif c'était de retrouver une forme d'excédent, il en faudra d'autres des réformes. C'est-à-dire que c'est évidemment, j'imagine pas oui, du tout votre, votre point de vue mais <laughs> si vous regardez du point de vue économique strictement des chiffres, elle ne suffit déjà plus. Alors je voudrais revenir sur l'objectif de la réforme parce qu'il y a celle qu'on annonce et puis euh, ouais. il y a probablement -y. La, la, la plus forte. En fait, des réformes des retraites en France, il y en a euh, tous les cinq ans à peu près et ouais. on peut en faire de différentes manières. On peut augmenter les recettes, on peut jouer sur le montant des pensions, ce que le gouvernement a fait précédemment en les désindexant, ou alors on peut effectivement décaler l'âge de la retraite. C'est le choix qu'a fait le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent cette réforme maintenant Ça vient pas d'abord des. C'est d'ailleurs pour ça que euh, jusqu'à présent. Euh, les retraités en moyenne vivaient mieux que, euh, des actifs, que la plupart des actifs euh, en France. Parce que justement, comme les, les retraites étaient indexées sur l'inflation et qu'en même temps euh, les, les salariés arrivés en retraite avaient leur salaire en gros, euh, pas de fin de carrière, mais un pourcentage quand même de, de leur salaire de fin de carrière, si en plus de ça c'était indexé sur l'inflation, euh, au final, euh, les grosses retraites augmentaient énormément tous les ans et donc euh, ça, ça pesait énormément sur le... Sur le, sur le budget des retraites. Et du coup, on, a, on se retrouve avec une tranche d'âge de retraités qui vivaient beaucoup mieux que euh, des jeunes actifs, par exemple, qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui sortent d'école ou quoi que ce soit. Et du coup, il y avait un vrai gap euh, entre les deux. Alors après, le fait qu'ils aient retiré cette inflation, ce, cette indexation sur l'inflation, bah, le problème, c'est que ça touche tous les retraités, quel que soit leur, euh, leur revenu peut-être qu'il aurait fallu euh, désindexer sur l'inflation peut-être les, les plus hautes retraites et pas toutes les retraites. Parce que quelqu'un qui est au SMIC, par exemple, toute sa vie, et qui va se retrouver à avoir une toute petite retraite, si en plus elle n'est pas indexée sur l'inflation, au bout de 10-20 ans euh, où il est à la retraite, enfin après 20 ans, quand on est salarié au SMIC, en général, en moyenne, on, on vit un peu moins longtemps que 20 ans à la retraite, mais bref, euh, ce n'est pas juste par contre pour eux. Quoi, donc, euh, ça fait gagner des, ça fait des économies sur la retraite en effet, mais ce n'est pas forcément le, le système le plus juste. Les retraites, il y a des réglages à faire sur les retraites, mais on aurait pu faire différemment ou plus tard. Il choisit de faire une réforme maintenant qui fait des économies pour des questions de finances publiques. En fait, le gouvernement a un objectif de réduction de son déficit à 3% en 2027. Et il s'est lui-même créé une difficulté en baissant les impôts sur les entreprises, la baisse des impôts de production mmh. et en baissant les impôts notamment sur les ménages aisés, la taxe d'habitation. Donc il se crée un déficit alors même qu'il doit le réduire. On est aujourd'hui à environ 5%. Et pour réduire ce déficit, il a fait un choix, celui de réduire les dépenses publiques vite et pour réduire les dépenses publiques, il a choisi les retraites. Enfin vous oubliez quand même entre-temps qu'il y a eu 240 milliards d'euros de quoi qu'il en coûte. Non, je l'oublie pas du tout, c'est pour ça qu'on est à 5% de déficit. Oui, c'est ça, enfin mais mais je veux dire dans vos arguments, euh, vous prenez non. pas tellement ça alors que c'est quand même une énorme dépense. <laughs> Justement, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, le gouvernement a lui-même aggravé ce déficit. Le quoi qu oui, en coûte, mais pas uniquement en faisant des cadeaux riches. Quoi. Le quoi qu'il en coûte... Si j'essaie oui, de mais bon. comprendre non, votre lecture... Je vous, je vous explique la différence. Le quoi qu'il en coûte, c'est euh, une mesure pour éteindre un incendie. C'est une mesure ponctuelle qui était très utile. On est en période de crise, on lance le quoi qu'il en coûte. La différence avec les mesures dont je vous parle, c'est que ce sont des mesures structurelles. Ouais. Chaque si année, elle, elle le, le gouvernement se prive d'impôts importants sur les entreprises, d'impôts importants sur les ménages, riche, et c'est ça qui va déséquilibrer structurellement les comptes de la France. Mmh. Et donc en face, Dans la il durée. cherche des mesures d'économie structurelles qui reviennent chaque année, et les mesures d'économie qu'il a choisies, c'est la baisse des retraites. Et... Pour équilibrer les retraites, on a plein de solutions. Donc en fait, il y aurait eu d'autres solutions. Euh, taxer les super profits, remonter les impôts, remettre l'ISF. Voilà mmh. les solutions que vous, vous auriez prônées pour pouvoir permettre de revenir à une retraite à 60 ans Alors deux choses. Sur les finances publiques, la première solution, ça aurait été effectivement de pas creuser soi-même le déficit. Ça, c'est la première chose. Et ça aurait permis au gouvernement de pas être pressé. La raison pour laquelle il veut faire la réforme mmh. maintenant, qu'elle commence en septembre, c'est cette question de finances publiques. L'urgence, elle vient des finances publiques et pas du déficit, puisqu'en effet, d'ailleurs, la date dont il parle, c'est 2030. Ça. Donc, ça ne justifie pas une urgence oui. absolue. C'est ça. Et ça. puis, il y a un point de passage sur les finances publiques en 2027. Donc, que il les veut commencer deux, les économies années, maintenant le pour faire des économies en 2027. Euh... Maintenant, si on parle des retraites, il y a un peu peu besoin d'équilibre, il y a un déficit prévu. Et pour régler l'équilibre. Ça, vous êtes d'accord sur le constat, sur l'idée qu'à un moment, il y aura un déséquilibre. La question de la natalité. La question de la pyramide des âges, la question du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, qu'on soit bien d'accord sur le constat. Vous partagez ce constat-là Alors, je partage le constat qu'il y a un déficit prévu. La question démographique, la question de la natalité, il ne faut pas la dramatiser, parce qu'on ne l'a pas découverte hier matin. C'est quelque chose qui est connu est depuis vrai. au moins les années 90. Toutes les réformes précédentes l'ont pris, pris en de compte, de telle compte sorte qu'aujourd'hui, on va ouais. avoir de plus en plus de retraités, mais nos dépenses de retraite n'augmentent pas. Pourquoi elle n'augmente pas Parce que les réformes précédentes ont fait en sorte de raccourcir la durée de la retraite, déjà. Les dernières réformes ne sont pas finies. La réforme Touraine, elle doit s'appliquer encore pendant 15 ans. Ouais. Et puis, le montant le prévu des pensions à l'avenir va plutôt décrocher par rapport au niveau de vie des actifs. Donc, il n'y a pas de dérapage dans la, avec la nouvelle réforme. Il y a un léger déficit prévu dans les années à venir qui est plutôt lié au changement dans la fonction publique, à la baisse du nombre de fonctionnaires. Mais donc, il y a un déficit et face à ce déficit, il y a plein de solutions possibles. Lesquelles aurez trouvé grâce à vos bah, yeux simplement, En gros, on a trois leviers. On a le levier de, du niveau des pensions, ce que le gouvernement a fait précédemment. On a le levier de l'âge de départ à la retraite et le levier de mobiliser des financements supplémentaires. Pour mobiliser des financements, par exemple, on peut faire cotiser l'intéressement et la participation. Ça donne des droits aux salariés sur l'intéressement et la participation, mais ça fait rentrer des recettes. Donc on a ces leviers-là et le gouvernement a choisi l'âge de la retraite. Le problème de ce levier-là, c'est qu'à la fois celui qui fait des économies le plus rapide, parce qu'il y a des personnes qui devaient être en retraite dans quelques années qui vont pas y être, vous ne leur versez pas de retraite. Mais c'est aussi un levier qui est très brutal, parce que dans les dix premières années, il va concentrer toutes les économies, pas sur les 27 millions d'actifs. Pas sur les 17 millions de retraités, mais sur les 5-6 millions de personnes qui sont aux portes de la retraite. Oui. Personnes de 55 Ce ans. Ceux qui s'apprêtaient à partir de Ceux qui voyaient euh, déjà un peu la légère arriver. pas encore été touchés euh, par la réforme. de la retraite. Donc, Donc, évidemment, de quand on l'âge de, de, de la retraite, ça concerne tout le monde et les générations futures. Mais comme il y a des réformes tous les 4 ou 5 ans, la l'avenir n'est pas encore écrit. 30, par 30 contre, les personnes aux portes de la retraite, c'est sur elles que repose l'intégralité des économies que faire le gouvernement. Il y a un point que je voudrais comprendre avec vous, Michael Zemmour. C'est aussi cette question des travailleurs juniors. En gros, ceux qui et sont pour qui cette réforme utilisée. des retraites disent, puisqu'on va repousser de deux ans la ligne d'arrivée, mécaniquement, les entreprises auront un peu moins peur d'embaucher euh, des seniors, parce qu'ils se disent qu'ils les garderont un peu plus longtemps. Et donc, on va repousser d'autant le départ en licenciement ou l'arrêt de travail euh, des seniors. Ceux qui, à l'inverse, comme vous, sont opposés à cette réforme des retraites, disent, ben, bah, en fait, non, c'est qu'on va allonger le mmh. temps euh, de décalage entre la fin de l'emploi et le début de la retraite, donc le temps d'une sorte de pauvreté, de sociaux pour les seniors. Est-ce que la réalité est à trouver entre les deux bah, Moi, je me suis fait mon avis en regardant ce qui s'est passé quand on est passé Mais de est 60 ça, à 62 chiffres, ans. En, fait. la la réalité, en 2010, la retraite était à 60 ans, il y a eu une réforme, et en 2017, euh, l'âge de la retraite était à 62 ans. Et donc, on a pu regarder ce qui se passait. Est-ce que ça a mécaniquement décalé de deux bah, ans Il y a deux choses qui se sont passées. Les personnes qui atteignent la retraite en emploi et sont restées en emploi plus longtemps. Et les personnes qui sont déjà mmh. hors de l'emploi au moment de la retraite, Ils sont, sont au chômage, propre, entendu. sont au RSA. Elles ont vu leur période sans emploi ni retraite se décaler. Ils n'ont pas retrouvé de boulot, quoi. Non, ils n'ont pas retrouvé de boulot. Les entreprises ne les ont pas réembauchés. Il y a quelques entreprises qui font des ajustements, qui calculent, qui disent Ah, pour vous, la retraite est dans deux ans. On va vous faire partir juste deux ans avant, etc. Mais dans la majorité des cas, quand on décale l'âge de la retraite, ça prolonge la période de précarité. Ce qui s'est passé cette nuit au Sénat, est-ce que ça peut avoir un impact, Michael Zemmour Je répète ce qui s'est passé. Alors, je vous le dis, cette nuit, le Sénat a, un, retoqué l'index senior, mais deux, envisagé. La création d'un CDI senior qui serait un peu sur le même modèle que le CDI pour l'embauche des jeunes, c'est-à-dire avec une exonération de ça. cotisation si vous embauchez des personnes de plus de 60 ans dans vos entreprises. Ah oui, C'est une double mauvaise idée, cette exonération de cotisation. D'abord parce qu'il y a des seniors qui sont en emploi et qui vont y rester. Et baisser les cotisations sur ces seniors-là, ben ça va. Coûter très cher à la branche famille de la sécurité sociale, puisque c'est des cotisations famille dont mmh. il s'agit. Donc on perd des recettes. Mais je recevais tout à l'heure euh, le représentant des, des PME, de la CGPME, euh, qui disait oui, mais pour bah, nous, les entreprises, oui, les entreprises en PME, c'est encourageant, hein, ça, ça, ça avait très bien marché pour les jeunes, ça a augmenté l'emploi des jeunes, ça marchera très bien pour les plus âgés. Alors, on, on peut regarder euh, précisément les études, mais c'est euh, de mémoire, je crois que c'est six points maximum. La, Exactement, la des générations. Mmh. Il y a des entreprises qui sont prêtes à payer les seniors pour partir. Euh, les ouais. entreprises. Des plans de, de y a, y a des plans de départ. Il y a un Donc manque de formation. On a beaucoup de problèmes de euh, Que les entreprises euh, n'embauchent pas des seniors. Ou alors les poussent vers des, la sortie. Ce n'est pas euh, en jouant légèrement sur les cotisations famille qu'elles mmh. vont changer leur comportement. Donc le risque important, ce qu'on appelle un effet d'aubaine, c'est qu'on va perdre beaucoup de cotisations sur les seniors qui, de toute façon, seraient restés en emploi. Ouais, alors que ça ne va pas changer grand-chose chose sur les seniors euh, que les entreprises n'embauchent pas. Mais quasiment, que vous écoutiez ce que disait À augmenter leur taux de seniors. Mais par contre, ça va s'appliquer aussi à tous les seniors qui, de toute façon, seraient restés dans l'entreprise. Donc, du coup, là, puis en plus, les seniors dans l'entreprise, potentiellement, c'est ceux qui ont les plus hauts salaires. Donc, ça veut dire les plus hautes cotisations. Donc, là, en termes de solidarité entre les générations, on n'y est plus du tout. Olivier Véran, qui est porte-parole du gouvernement, pour justifier non seulement la réforme, mais surtout pour décourager ceux qui envisageraient d'aller manifester demain et de faire grève. Écoutez. « Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une ah, crise qu'on qu peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait <laughs> un <laughs> Sur les rapport Si on l'écoute, c'est genre les nuées de sauterelles qui commencent, la pluie qui ne tombe plus, c'est à cause de, des blocages de, de de, liés à la réforme, réforme des retraites. »« ...sur l'état de nos réserves en eau cet été. » Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les là plus efficaces. Et... On se demande même s'il y croit quand il dit ça. Quoi. On, se... On le regarde là, je regarde ses yeux là. Je me dis, mais il y croit pas, c'est pas possible. quoi. Il est en train de lire un truc que des communicants lui ont, lui ont écrit, c'est pas possible. quoi. Ça vous fait sourire Oui, ça, ça me fait sourire parce que le ton est excessif et qu'il y a un décalage entre des difficultés réelles, par exemple, des services publics de la transition écologique, sur lesquelles il faut vraiment des politiques publiques, et un gouvernement qui essaye de décourager une mobilisation contre le projet qu'il porte. Donc ça, ça me paraît vraiment décalé. Mais en dehors de ça, il y a bien une situation de blocage et en fait. Pour moi, le gouvernement a créé la situation de blocage depuis le début, dans la mesure où il a choisi un calendrier pour sa réforme. Il veut qu'elle commence en 2023, un montant d'économie. Il espère même qu'elle soit votée avant le 15 mars, hein, c'est-à-dire vraiment dans les tout prochains jours. C'est ça, pour que ça s'applique aux personnes qui devaient partir en septembre 2023, en leur disant bah, ce sera pas septembre 2023, ce sera janvier 2024. C'est cette urgence que, que vous ne comprenez pas. Outre le projet lui-même, il y a l'urgence du calendrier qui empêche en fait de discuter, qui a empêché la, la discussion avec les partenaires sociaux. Deuxième exigence, c'est l'exigence de faire absolument ce montant d'économie dans ce calendrier-là. Et puis la troisième chose, c'est de, de ne mobiliser qu'un seul levier. Dire, on va tout faire porter sur l'âge de départ à la retraite. Une fois que vous avez mis ces trois éléments-là. Face à des organisations syndicales qui ont été claires sur leur volonté de discuter de l'ensemble des leviers et des financements, le gouvernement crée un blocage et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de discussion. Mmh. Elisabeth Borne l'a répété, 64 ans, c'est pas négociable. Donc effectivement, sur un sujet qui est un sujet sensible de démocratie sociale, les syndicats gèrent en partie la retraite, ça concerne l'ensemble des actifs. Quand le gouvernement dit voilà, il me semble que typiquement, c'est les syndicats qui, qui ont. Euh la gouvernance d'une partie de, des, des caisses de, de, de retraite. Il me semble à vérifier. Je, je relance la vidéo, je regarde en parallèle. Voilà notre projet. On va le passer quoi qu'il arrive dans ce calendrier-là, avec ces paramètres-là. Bah effectivement, ça crée une situation de blocage. La CPME et le MEDEF ont calculé que ça coûtait environ 1,5 ouais. milliard d'euros par journée de grève. Est-ce que c'est des chiffres qui vous paraissent réalistes je, il y a plusieurs études qui essayent de voir ce que coûte une, une journée de grève. L'ordre de grandeur ne me paraît pas absurde. Après, on va voir, ça dépend aussi si la grève dure. Mais il y a aussi un bras de fer qui est engagé, on le comprend. C'est-à-dire Comme le gouvernement n'est pas dans une discussion politique, ce que je comprends, c'est que les organisations de syndicales essayent de faire pression aussi sur les milieux des entreprises pour faire changer d'avis le gouvernement. Puisque vous êtes d'accord avec l'idée qu'il y a quand même une question d'équilibre à trouver, puisque vous aviez vous-même signé, je le disais en juin dernier, ce manifeste de soutien au programme économique de la NUPES dans lequel il y avait l'idée d'une retraite à 60 ans, vous vous feriez comment, Michael Zemmour alors, moi, d'abord, je dirais, il n'y a pas urgence. On suspend et on reprend les discussions sur euh, les, les leviers de la réforme des retraites. Moi, je suis économiste, donc je donne les grilles de lecture sur les arbitrages. Et, et c'est exactement ce que fait le Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites, il dit, si vous voulez équilibrer le système, vous avez différents leviers. Si vous voulez le faire comme le gouvernement sur l'âge de la retraite, voilà combien ça. Coûte. Oui, mais quand vous signez une, une tribune, vous vous engagez. Vous n'êtes pas juste en train de dire mmh. quels sont les, les outils. Alors, vous dites, cet outil-là est meilleur que les autres. Alors, moi, je vous, je vous explique. Je pense qu'aujourd'hui, le, les dépenses de retraite sont stabilisées. Et je pense qu'on peut tout à fait trouver les financements d'ici 2027, d'ici 2030, pour équilibrer le système. Donc, il y a mmh. plein de solutions. Vous pouvez, euh, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, faire des cotisations sur l'intéressement et la participation. Vous pouvez maintenir ouais, l'engagement de l'État. Aujourd'hui, l'État participe au système de retraite. Actuellement, il a... ça ne participe pas du tout, parce que c'est une niche fiscale, en fait, l'intéressement et la participation. C'est mis sur un plan épargne-entreprise. Et en fait. Euh, si on les laisse, alors je crois que c'est au bout de 7 ans, on peut toucher son argent sans euh, cotisation, euh, quel que soit les, même s'il y a une plus-value énorme. Sur, euh, en général, c'est payé en les PE, c'est en action dans l'entreprise. Euh, du coup, c'est euh, exonéré de, euh, de, de charges sur les plus-values ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est vraiment une niche fiscale qui bénéficie à, aux, en, aux employés des grands groupes. Donc ça, c'est très bien pour les salariés des grands groupes. Hein. Euh, ils ne s'en plaignent pas, hein, mais euh, clairement, euh, le problème, c'est que c'est de l'argent sur lequel il n'y a pas de cotisation euh, pour la retraite, pour, pour tout le monde. Quoi. Prévu de baisser sa participation au système parce qu'il a moins de fonctionnaires, il peut maintenir en partie sa participation. En soi, Vous pouvez, même, comme le propose Thomas Piketty, faire une cotisation de 2% sur euh, les, les 500 plus grosses fortunes. De France, et il dit que ça ferait même trop d'argent. En fait, il faudrait utiliser de l'argent pour autre chose. Trop en fait, d'argent. Vous avez une palette nice. de leviers. Vous avez aussi les cotisations sociales. Hein. Il ne faudrait pas beaucoup augmenter les cotisations sociales. Et on pourrait faire le choix de les augmenter uniquement sur les salaires les plus élevés. Mmh. En fait, trouver 12, 13 milliards à l'horizon 2027, ce n'est pas difficile. Le ministère de l'Économie et des Finances fait ça quasiment tous les ans. Et donc, le blocage vient du fait de dire on ne va absolument pas trouver des financements pour nos retraites. Alors qu'on a de plus en plus de retraités, on va faire toutes les économies, soit sur le montant des pensions, soit sur le décalage de l'âge. Et là, effectivement, bah, ça tape dur. Et c'est là que, euh, effectivement, vous auriez trouvé d'autres solutions. Michael Zemont, vous n'avez jamais débattu d'ailleurs avec Olivier Dussopt lui-même. Voilà une invitation que je là, lance ce matin. Vous seriez prêt à le faire là. Oui. Eh ben, il, faudrait, euh, il faudrait organiser ça. Avec euh, avec un, euh, on tentera de convaincre euh, le, le ministre parce que s'il y a vraiment deux personnes mais... qui pourraient en, en débattre avec deux visions euh, opposées après, de bord, cette vraiment. réforme des retraites, euh, ça serait particulièrement intéressant. Michael Zemmour, vous êtes donc devenu, je le voyais, l'opposant numéro un à la réforme du gouvernement. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci d'avoir répondu à mes questions. 8h53 sur MCBFM TV. Ah non, donc ça durerait bien 20 minutes en fait. Ok, ok. C'est juste que la vidéo est plus longue après, ils doivent. Euh doivent continuer sur le, le live de BFM TV. Ok. On va passer à la vidéo suivante. Bon bah c'est intéressant. Hein. Euh... Bon on a vu hein, que euh, typiquement euh, quand le gouvernement dit il euh, n'y a qu'une seule façon de faire euh, pour euh, sauver les retraites, hein, euh, c'est complètement euh, de l'enfumage. Hein. Et bon c'est à la fois malhonnête et, euh, et en plus de ça c'est. Euh, Enfin, Ils ont juste choisi la pire, la pire option. Quoi. Alors, Clément Viktorovich, voyons voir ce qu'il nous raconte. Clément Viktorovich, qui est également sur Twitch, hein, pour ceux qui veulent le suivre, euh, il fait des lives très sympas. Entre les lignes maintenant, comme tous les dimanches avec vous, Clément Viktorovic, bonjour. Bonjour. On lit entre les lignes d'un débat d'actualité, d'un débat politique du moment, et nous parlons en ce week-end des ZFE, ces zones à faibles émissions, celles qui doivent prévoir petit à petit d'interdire l'accès aux métropoles de certains véhicules les plus polluants, mesures contestées socialement notamment, parce que ça coûte cher de remplacer un véhicule, on est puni en quelque sorte si mmh. on ne le fait pas. Et cela illustre, d'après vous, ce dilemme, le rejet notamment du Rassemblement national et d'une partie de la gauche de ces mesures la complexité des dilemmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Oui. Une bombe à retardement, voilà l'expression qui revient pour qualifier ces zones à faibles émissions, et vous allez voir que cette expression n'est pas exagérée. D'abord, retour en arrière, c'est en 2019 que le gouvernement décide d'imposer les ZFE dans les villes où l'air est très pollué, avant de les généraliser deux ans plus tard aux grandes agglomérations. Elle n'entre toutefois les ZFE en application que très progressivement, avec des calendriers qui s'échelonnent jusqu'en 2025. C'est la raison pour laquelle l'interdiction de rouler en ville pour un véhicule polluant ne commence que maintenant. À faire débat. Est-ce que c'est une mesure qui se justifie mmh. D'un point de vue environnemental, oui. Vraiment. Oui. D'après Santé publique France, chaque année, la pollution de l'air serait responsable de 40 000 décès ouais, prématurés problème, dans beaucoup, notre pays. C'est énorme. En ville, plus de la moitié la des oxydes d'azote de que nous respirons sont issus du transport routier. Ce sont les chiffres officiels de l'Agence de la transition écologique. En 2019, la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement à ses obligations en matière de qualité de l'air. Je répète, mm. 40 000 morts. Mm prématurés par an, d'un point de vue à la fois éthique et juridique, nous ne pouvions pas nous permettre de ne rien faire. Et il se trouve qu'on a du recul sur ces zones à faibles émissions. D'après un Même article publié en 2021 dans la revue fait, hein. Transportation Research, les aides-feu ont permis de réduire la concentration en dioxyde d'azote à Madrid, Londres, Amsterdam mmh. et Berlin. Si on veut faire reculer la mortalité liée à la pollution, c'est effectivement une solution. Impérieuse nécessité de ces zones à faibles émissions. Mais pourtant elles font grincer des dents. Oui, parce qu'il y a un problème. Le problème, vous l'avez dit Jules, c'est la justice sociale. Bref. Dans les faits, les ZFE vont avant tout pénaliser les plus pauvres, c'est-à-dire ceux, ceux qui, qui roulent dans roulent les véhicules dans les plus et anciens plus vieux, et donc là. les plus polluants. D'après la dernière enquête Mobilité de l'INSEE, 38% des ménages les moins favorisés possèdent un véhicule polluant et seront donc exclus de la circulation en ville. Chez les et plus riches, génial, hein. ce chiffre est quatre fois inférieur. En Seine-Saint-Denis, ce quoi. sont même trois quarts des voitures qui devront rester au garage en 2024, d'autant que, bien évidemment, demain, en plus, 2024, ceux qui roulent hein. dans les voitures les plus délabrées sont aussi ceux qui ont le moins les moyens d'en changer. Mmh. Alors, c'est vrai que Le gouvernement a mis en place des aides à l'achat des véhicules moins polluants, mais le reste à charge mmh. continue d'être mmh. trop lourd pour de nombreux foyers. Quant à l'allocation de voitures électriques à 100 euros par mois, promise par Emmanuel Macron, elle devrait arriver, c'est vrai, cette année, mais on n'en connaît pas les contours. Il y a des tensions sur le marché des véhicules voilà, électriques en ce moment euh, et les, les bornes de recharge ne sont pas disponibles partout. Bref, parce dans l'état euh... actuel des choses, les ZFE risquent effectivement de priver de leurs voitures les plus pauvres et je ne parle même pas mmh. des professionnels qui ne pourront pas tous renouveler leur. Leur flotte de véhicules, nous oui. avons bien devant nous une véritable bombe sociale. Parce qu'on parle de la vie quotidienne du, du transport, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des compensations pour cette situation par des mesures de soutien Oui, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Depuis le 1er janvier 2023, les aides sont désormais concentrées sur les foyers qui en ont le plus besoin. Il était temps, auparavant, ouais, elles profiter avant temps, ouais. tout à ceux qui avaient les moyens de changer de voiture. Par ailleurs, Elisabeth Borne a annoncé un plan d'investissement dans le ferroviaire pour offrir des alternatives à la voiture. Mais on peut tout de même s'interroger, pourquoi ne prendre ces mesures que maintenant, alors mmh. que les conséquences des ZFE auraient pu être anticipées dès le départ Et surtout, ces mesures seront-elles suffisantes pour éviter des situations socialement ouais, explosives Ne se dirige-t-on pas irrémédiablement mmh. vers un report, voire un détricotage des ZFE Détricotage qui d'ailleurs a déjà commencé, puisque la Première Ministre a annoncé qu'il pourrait désormais Ça y avoir des dérogations, de nous auquel la... cas, en cas de détricotage, ce serait retour au point de départ, la pollution qui tue 40 000 personnes par an. Voilà, plusieurs mesures, hein. parfois on a le droit à plusieurs allées et venues dans l'année dans une métropole, même si on a un véhicule polluant. Il y a des solutions, mais il y a vraiment au fond ce dilemme, ce dilemme que vous évoquez, dont il paraît difficile de sortir. Il y avait... Des moyens d'en sortir. Développer massivement les transports en commun, favoriser le vélo, oui. aménager les villes pour réduire les distances. Et tant qu'à faire, enfin, revoir le fonctionnement de cette vignette critère, parce que tout de même, les gros SUV électriques qu'on ouais. laisse circuler en ville, <laughs> peut-être est-ce moins polluant, mais ça reste une absurdité énergétique. Il y a ça, et puis en plus, euh, alors il y a une étude récente, là, je ne sais plus quels sont les chiffres, et qui ont montré qu'il y a une grosse partie aussi des particules fines qui sont émises. On pensait que c'était surtout les véhicules diesel, mais en fait c'est principalement l'usure au niveau des pneus qui fait ça, et au niveau des freins. Et typiquement un SUV, même s'il est électrique, il est beaucoup plus lourd qu'une voiture citadine. Et donc globalement au niveau des freins, ça, ça abîme beaucoup plus les freins, forcément, puisqu'il y a plus d'énergie à dissiper hein, quand on, quand on freine, fait freiner une voiture d'une tonne par rapport à un véhicule d'une demi-tonne, hein, forcément. Et donc euh, derrière, euh, ça veut dire beaucoup plus de, de pollution avec ces particules fines pour des véhicules polluants euh, enfin, très gros et très lourds comme euh, les SUV électriques. Quoi. Tic. Sauf que pour ça, il aurait fallu trois choses, de l'anticipation, du temps et des investissements. Faute de quoi, nous nous retrouvons aujourd'hui à tenter de concilier deux impératifs devenus inconciliables, l'écologie et la justice sociale. Mmh. Ce que tout cela nous montre. C'est que si nous n'agissons pas assez tôt et pas assez fort, non, la fin du monde et la fin du mois ne sont Ça pas, pas marcher, toujours là. le même combat. Mmh. Peut-être serait-il temps de sortir enfin mmh. de cette écologie des petits pas pour cette fois prendre les problèmes à bras le corps. Fine analyse entre les lignes de particules. Bon, bah, malin, comme d'habitude. Hein. Ah non, il a parfaitement raison. Hein. Le problème, c'est un problème d'anticipation, c'est un problème de quand on fait des petits pas et quand on n'assume pas les, les choix qui sont faits, bah en fait, derrière, tu te retrouves dans une impasse, tout simplement. Tout simplement. Euh, bon, bah du coup, c'est parti pour la nouvelle vidéo sur, de ce matin, du coup, sur France Inter. Et donc, c'était Laurent Berger de la CFDT qui va parler de la mobilisation de demain, j'imagine. C'est parti Et avec Léa Salamé, nous recevons aujourd'hui le secrétaire général de la CFDT. Question-réaction 0145 24 7000 et application France Inter. Laurent Berger, bonjour. 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 Bienvenue sur Inter à la veille de la sixième journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, dont la spécificité sera de mettre le pays à l'arrêt. Question simple, Laurent Berger, pour commencer. Pensez-vous encore pouvoir faire reculer le gouvernement Oui. Oui, je pense que demain, ouais, nous devons avoir une journée de mobilisation extrêmement puissante. Ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord beaucoup, beaucoup de gens dans les rues. Beaucoup de gens dans les manifestations. Il y a encore plus de lieux de rassemblement que les autres fois. Il y en a plus de 250, 260. Mm -hmm. euh, et il faut donc, j'appelle les salariés de ce pays, les citoyens de ce pays, les retraités de ce pays, qui sont contre la réforme euh, des retraites à 64 ans, à venir manifester massivement. Vous Ça, espérez de quoi pourquoi. 2 millions de personnes dans les rues écoutez, je pense qu'on peut faire plus fort que le 31 janvier dernier, qui C était, était déjà que... la plus grosse mobilisation ouais. depuis le début des années 90. Donc, vous savez, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, ouais, même, ouais. il y a un profond rejet des 64 ans dans l'opinion. Début 90, il y a un profond rejet de cette les, les des retraites. De 95, et il y a une aspiration à reprendre l'ouvrage, à remettre l'ouvrage sur le métier, à reparler du travail et pas simplement des retraites comme un élément paramétrique budgétaire. Et donc, je pense qu'il y aura demain une grosse, grosse mobilisation et j'appelle ce matin l'ensemble des citoyens à se mobiliser demain. Dans toutes les manifestations. Mais ne craignez-vous pas une certaine résignation Ça fait presque deux mois que dure le mouvement. Les derniers sondages montrent que la réforme du gouvernement n'est toujours pas acceptée par les Français. Près de 7 Français sur 10 sont opposés. Mais en même temps, majoritairement, ils pensent que le texte passera, qu'elle passera cette réforme. Vous savez, c est, c est, Ça c'est euh... le paradoxe depuis le début, mais vous n'arrivez oui, pas à le lever. Oui, c'est une paradoxe, paradoxe. Que... mais qui, qui est aussi doublé d'un autre paradoxe. C'est une forme de résignation qu'on voit dans les enquêtes d'opinion. Le problème, c'est ça, c'est que le, vu qu'on sait de toute façon euh, que le gouvernement il, a, il aura du mal à lâcher. Euh, c'est difficile d'être optimiste en vrai, hein, même, euh, même moi qui pense que ça peut peut-être marcher, euh, on verra bien quoi. Il faudrait vraiment que le, le pays soit vraiment bloqué et comme je sais plus qui l'avait dit, il hein, faudrait limite que le Medef euh, aille toquer à la porte de l'Elysée en disant bon alors arrêtez vos conneries là, on perd trop d'argent, euh, arrêtez tout quoi. Mais ça va être dur, ça va être dur qui quand même baisse un petit peu, mais des, des rassemblements de plus en plus nombreux et de plus en plus de témoignages d'opposition à cette réforme. Très clairement, cette réforme, elle, a été, elle est soumise au Parlement, euh, dans son ensemble, par une, par une, une procédure qui s'appelle le 47.1. Il doit oui. avoir un vote à la fin. Après oui. l'examen le, au Sénat, il y aura une commission mixte paritaire et ça reviendra à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai entendu la Première Ministre dire « il n'y aura pas de 49.3 ». Effectivement, il ne peut pas y avoir 49-3 sur une réforme de ce type. On est d'accord. Ouais, ouais. On n'a pas été au bout de l'examen à l'Assemblée, je le regrette. C'est en partie de la, de la responsabilité du gouvernement, mais pas que, je l'ai déjà dit. Euh, Des insoumis également, il, vous oui, dites Oui, bien sûr. Il n'y a pas eu euh, suffisamment euh, de, de débats euh, euh, à l'Assemblée. Il ne euh, peut pas y avoir une, une, une réforme qui passe sans vote par une procédure du 49-3. Donc c'est quoi Donc, que vous espérez espé espé que la, la réforme non, passe non, par Moi à, ah, au 493 pour qu'elle soit totalement décrédibilisée, c'est ça l'idée Ah moi je crois que cette réforme, elle aura un, un, un vice démocratique si elle passe par la 49-3. Mmh. On touche à la vie des gens. Vous, on vous parle, on parle pas d'un fait politique, on parle d'une réalité sociale, d'un fait social. Mmh. On, on, est, on est assailli de témoignages de personnes qui nous disent je devais partir. Le dernier que j'ai eu hier encore sur ma boîte mail, c'est une personne qui dit j'avais contracté, mmh. j'avais la fin de mon contrat, j'avais un compte épargne-temps. Ça, il va me manquer neuf mois pour aller au bout. Je fais quoi pendant les neuf mois je m'inscris au chômage mmh. Je suis à, dans quelle situation? Donc cette réforme, elle touche la vie ah, concrète des, qui, des travailleurs et des travailleuses de tous les de secteurs, et particulièrement des secteurs les, 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 et euh, pas les plus faciles où, où il est plus facile de travailler. Et, euh, et elle ne peut pas passer comme ça, elle ne peut pas passer par le 49-3. Donc moi je le dis, le gouvernement doit, euh, s'il y a vote, il doit aller au, au bout du vote. Et là j'appelle les parlementaires à regarder ce qui va se passer demain dans leur circonscription. Demain dans leur circonscription. Partout, il y a des chiffres de mobilisation qui sont annoncés, qui sont énormes. Oui. Mais il se passera quoi mercredi matin Vous Mercredi matin, mercredi Vous direz matin. Vous la mobilisation a été énorme, et ensuite, <laughs> le texte sera toujours là. Eh bien, il faudra continuer, continuer a, comment, aller vers quoi à, La à grève votre question, monsieur de, À votre question, monsieur de Demorand, il y a deux, un, deux interlocuteurs qui doivent répondre. Il y a nous, et il donc, le donc on se réunira de façon intersyndicale pour discuter des suites. On sait qu'il y a des secteurs qui peuvent se le permettre, mais ce n'est pas le cas de tous. Vous savez, cette particularité de ce mouvement, qui est aussi massif, mmh. c'est que se mobilisent des salariés de secteurs professionnels qui ne le faisaient pas jusqu'alors. Ouais. Et ils n'ont pas envie d'une grève par procuration. Ils ont envie de continuer d'être les acteurs des choix qui les concernent. Et donc de pouvoir manifester mais une opposition. Vous êtes pour une donc, grève on, reconductible Vous étiez opposé la, la CFDT Non, non. La, ce que je vous dis, c'est que la CFDT, elle proposera d'autres types de mobilisation, d'autres mobilisations, si on n'est pas entendu. Mais l'autre interlocuteur, c'est le gouvernement et le président de la République est-ce qu'on peut concevoir dans un pays qui fait les plus grosses manifestations, dans un cadre pacifique D'ailleurs, il n'y a pas besoin de rappel, je le dis des uns et des autres pour dire qu'il faut être pacifique, respectueux, tout ça, on l'a toujours été. Euh, dans les mobilisations de Est-ce que ce sera aussi demain le, le, juste pardon, c'est ça. Bien sûr, Après, ça le sera demain. Le mais bien sûr, ça le sera demain. Quand on entend, Qu il faut durcir le mouvement. Mais, euh... mais, 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 mais de, ça le sera demain. Demain, il y aura, quand, demain, il sera il y aura des manifestations. Et, et, bon et on, a, on appelle aussi des salariés, des, On appelle des commerçants, on sait que ce sera le cas dans certains endroits, Les commerçants à baisser le rideau, des salariés à mettre euh, dans leur bureau euh, Stop 64 ans euh, le, le logo commun de toute l'intersyndicale. On appelle euh, des salariés à, à, à discuter entre eux, à, à prendre le temps. On ne va pas, euh, pas avoir des casseurs demain on va... Non, mais, mais, mais d'abord, on les, on les rejette à chaque fois qu'on peut, les casseurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas se oui, faire... c'est clair. On, mais... À chaque fois, depuis le début janvier, on nous fait un procès d'intention, en disant « vous voulez mettre le bordel et vous voulez casser ». Et on a fait tout l'inverse. Donc ce qui s'exprime, c'est un mouvement mm -hmm. populaire, un mouvement démocratique. Et ouais, clairement, hein, les... Est les dernières manifestations qu'il y a eues, c'était les plus grosses qu'on a vues depuis très longtemps, comme il le rappelait. Et c'est là où il y a eu le moins de casse, en fait, parce que c'est juste qu'il y a un service d'ordre, hein. contrairement à d'autres manifestations de type Gilets jaunes, par exemple, qui ce qu'il y avait eu euh, Les Gilets jaunes, il n'y avait pas de service d'ordre. Donc, que, typiquement, euh, il n'y avait que la police pour gérer les casseurs, et en plus, ils étaient clairement euh, très remontés aussi. Quoi. Donc, euh, bon, forcément, quand c'est des, qui qui, des manifestations qui sont encadrées, euh, ça se passe bizarrement beaucoup mieux. L'autre interlocuteur, qui est donc le gouvernement et le président de la République, ne peut pas rester sourd. Le président de la République, qui ne peut pas rester sourd. On peut pas avoir ce silence maintenant, qui dure depuis deux mois, avec juste des petites phrases rappelant à la responsabilité des uns et des autres, sans prendre en compte le problème. Mais vous attendez quoi de lui Écoutez, on le décidera. Mais j'ai vu qu'hier Philippe Martinez dans le JDD euh, disait que le président de la République devait, euh, devait intervenir dans le débat. Peut-être à un moment donné, il faudra quand même qu'il prenne conscience. Vous savez qu'on est quand même dans un conflit où, pour l'instant, on a été reçu dans l'intersyndicale par personne, collectivement. Non, on a été reçu collectivement par personne dans linter syndicale de la vous avez part été du appelé gouvernement. Appelé par Elisabeth Borne, non Appelé, ce n'est pas reçu. Et oui, appelé ça. individuellement. Et pour un coup de fil, pour euh, euh, la de, de l'ambiance du, du moment. Donc euh, il faudra à un moment donné aussi que de l'autre côté. Enfin, Est-ce qu'on peut rester sourd à, je ne sais pas combien demain, mais plus d'un million largement de manifestants dans la rue euh, et, et ne pas avoir de réponse et démocratique. Vous attendez probablement plus. Mais vous Qui vous reçoivent, qui parlent publiquement, le qui l'explique <coughs> ou qui retire -ce cette réforme -ce Parce qu'il que peut, il peut, re peut revenir mais, à la télé mais, ou à la radio pour dire il faut être responsable et il faut Mais il n'y a pas de déficit d'explication il, de il faut arrêter Alors de prendre les gens pour des cons. Excusez-moi de le dire comme ça. On a pas de Emmanuel Macron, les, les gens Tout pour le des monde... cons. Non, je, je dis que ce n'est pas un problème de pédagogie comme on l'entend cette réforme. C'est un problème d'injustice sociale. C'est un problème <laughs> d'inégalité. C'est un problème de non prise en compte des réalités du travail concrètes. Euh, et c'est ça qui exprime aujourd'hui les travailleurs clair, de hein. façon pacifique. Est-ce qu'on veut euh, passer ça sous silence? Et faire comme si c'était qu'un arrangement politique et un deal politique qu'il fallait passer au Parlement. Non, ce n'est pas possible. Il y a aujourd'hui un mouvement, un mouvement social de grande ampleur qui s'exprime, qui va continuer de s'exprimer demain, j'espère, de plus en plus fort. Et j'appelle vraiment à venir dans les manifestations. Et il faudra une réponse politique. Laurent Berger, vous n'êtes pas favorable à la grève reconductible à la CFDT, contrairement à la CGT. Est-ce qu'il y a un risque de scission du Front syndical Non. Non, non. Je, on a conscience de, de réalités euh, euh, syndicales différentes dans chacune de nos organisations. Il y a des ah choses qui jouent aussi dans chacune. Ça n'empêche pas en fait. Même si la CFDT est pas d'accord pour reconduire les grèves, en fait, il euh, y a des secteurs d'activité dans lesquels c'est pas la CGT, la CFDT qui est la plus représentative. Donc, par exemple, euh, les raffineries, et trucs comme ça, je crois que c'est quand même plus la CGT qui est représentée là-bas. Si eux décident de, de faire une grève reconductible. Euh, il y aura grève reconductible là-bas. Donc ça n'empêche pas, ce n'est pas eux, et la CFDT, qui vont bloquer, empêcher les autres syndicats de faire grève. Les organisations qui ont leur propre actualité, on a aussi des secteurs professionnels qui ont des traditions particulières, c'est mmh. comme ça euh, mais les, raffineurs, euh, je, je les peux, électriciens, peux, les gaziers, je peux, je, peux, je peux vous le dire, euh, il y aura pas, euh, on, on va, on va continuer à faire ce qu'il fait l'unité syndicale depuis le début, c'est-à-dire un mot d'ordre commun, qui est non, 64 ans, deux, on décide ensemble ce qu'on fait, mais de qu niveau interprofessionnel. Qu'importe les moyens, de la, les formes de la mobilisation. Ensuite. Non, pas qu'importe. La CFDT, elle restera très ferme là-dessus. à C'est-à-dire pas de violence, pas d'atteinte aux biens et de, aux personnes. Et, euh, et, 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 ouais, et ça, on décide base, ensemble hein. ce qu'on fait de niveau Mais par exemple, des blocages des rues, des autoroutes, des ronds-points, euh, des raffineries. Mais, mais ça, euh, des, endroit, des barrages ouais. filtrants, etc., il s'en est toujours opéré à des moments donnés dans des, dans des mobilisations. Mais demain, le, 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 le mot d'ordre <coughs> principal, c'est massivement dans les manifestations du... et expression par d'autres moyens, notamment symbolique parfois, de, du rejet de cette réforme. Vous avez entendu les ministres, Gabriel Attal a déclaré quand j'entends les responsables expliquer qu'ils veulent bloquer la France, en réalité, c'est les Français qu'ils veulent bloquer, c'est les travailleurs qu'ils vont mettre à genoux ou encore Olivier Véran qui estimait mettre la France à l'arrêt, ce serait prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire. C'est grossier, c'est grossier, c'est à bout d'arguments. Vous savez... Euh, Alors bon, il a, expliqué ensuite, euh, Dussop a ouais, expliqué ensuite, Olivier Dussopt a expliqué ce qu'il a voulu dire euh, Olivier Véran peut-être un peu rapidement, il a voulu dire qu'on est, est dans une période d'inflation, de crise énergétique, mmh. une sortie de la pandémie, le blocage n'est pas la bonne solution. Oui, on est dans une période d'inflation, qui pèsent sur les travailleurs et travailleuses, qui pour mmh. autant demain vont, vont se mobiliser massivement. On est sur une période ça, où le une de pandémie où les salaires sont réinterrogés. C'est là-dessus qu'il fallait partir. Il fallait repartir sur l'écoute du monde du travail, des travailleurs et des travailleuses, de ce qu'ils vivent. Mmh. Et là, ce qu'on nous, qu nous objecte, c'est qu'en gros, on serait des irresponsables. Nous ne sommes pas des irresponsables. Nous avons euh, toujours fait cette mobilisation dans les règles de l'art, comme jamais personne ne l'avait prévu entre nous euh, depuis le début janvier. Donc on va continuer de le faire, mais il faut arrêter. Vous savez, j'ai entendu M. Attal ce week-end qui dit que ça va impacter ce, ce mouvement du 7 mars, ça va impacter ceux qui triment. Mais ceux qui triment, ceux qui travaillent, ce sont ceux qui sont impactés les premiers par cette réforme des retraites. Oui, clair, Donc mais... arrêtez d'essayer de diviser les travailleurs entre eux. Euh, ils sont largement une unis une mauvaise pour dire foi non à cette réforme. Euh, C'est massif. Dans les enquêtes, dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est massif dans la rue. Donc maintenant, je crois qu'il faut écouter. Écouter, oublié. ça veut dire quoi Ça veut, faut dire, faut remettre l'ouvrage sur le métier, sur le sujet des retraites. Il faut repartir des réalités de travail et pas d'une réforme budgétaire comme c'est proposé aujourd'hui. Mais revenons au texte de la réforme. Olivier Dussopt a réaffirmé dans le Parisien hier qu'il n'y aurait pas de perdant dans cette réforme, qui demande, je le cite, hein, des efforts aux Français, mais en faisant en sorte qu'ils soient le plus justement répartis. Et il ajoute, c'est une réforme de gauche qui aurait pu être portée par un gouvernement. Social-démocrate, vous répondez quoi à ça, Laurent Berger Pas de perdant, réforme de gauche. Bah, pas de perdant, c'est de fou. gueule. il y a beaucoup de gens qui de travaillent deux ans de plus. En plus, il y a des gens qui euh, devaient travailler une année de plus pour avoir une surcote, qui vont Toujours pas avoir plus cette surcote, le notamment fou, les hein. travailleurs les plus euh, modestes, qui pouvaient essayer d'aller jusqu'à un peu plus loin. Il y a tous ceux ils ont euh, essayé. qui vont, euh, tous les ont éléments des métiers langage. compliqués et qui bénéficiaient de carrières longues, qui vont devoir travailler jusqu'à 62 ans au lieu de travailler. Enfin, on peut réforme de gauche on peut multiplier les exemples à, à l'envi. C'est d'ailleurs les salariés sont pas idiots, ils ont compris qu'ils bah oui, euh, étaient clair, perdants ouais. dans cette réforme. Et Réforme et euh, de gauche, alors <laughs> Je sais pas, c'est bizarre. En faisant un deal avec les républicains, ah enfin, je pense que ça n'a pas lui faire plaisir à Monsieur Retailleau. Ouais, euh, il dit qu'il mais... va en faire une vraie réforme de droite. Oui, mais c est, c est, c est, vous voyez bien que quand on est au bout d'arguments, on finit par dire n'importe quoi. En fait, c'est une réforme voilà. qui n'est pas sociale. C'est bien une réforme résumé. Qui part pas des réalités du travail. Moi, je m'en, enfin, je m'en fous de la qualifier de gauche ou de droite. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est est-ce qu'elle est juste Elle est injuste socialement, profondément injuste socialement, parce que le report de l'âge égal, c'est injuste socialement. Donc c'est ça la conclusion. C'est ça que les salariés ont compris, et c'est pour ça qu'ils <laughs> manifesteront demain. On va peut-être pas auditeurs au... parce qu'il y a ouais. beaucoup, 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 beaucoup de, questions, de questions. Oui, Daniel est en ligne. Euh, Daniel de Valence. Ils bonjour Daniel, <rire> bienvenue. Il y a trop de questions. Oui, bon, bonjour à tous. Bonjour M. Berger. Bonjour. Euh, je soutiens l'action de M. Monsieur Berger contre l'injustice sociale de... de cette réforme. Mais par contre, j'ai une autre question à lui poser. Lorsque je regarde des conducteurs de train, par exemple un conducteur de train TGV qui part à la retraite à 53 ah, ans, à alors que le même Ça, en Allemagne part à 67 ans, est-ce qu'il appelle cela de la justice sociale Merci Daniel pour cette non, question Laurent Bergerbois à train, je 67 ans non mais Il y a un moment aussi, il faut, faut regarder les choses en face. Est-ce que en tant qu'usager là, ceux qui sont dans le chat, est-ce qu'en tant qu'usager, vous avez vraiment envie de monter dans un train qui est conduit par quelqu'un qui a 67 ans Franchement. Est-ce que vous avez envie de monter dans un fucking avion qui est conduit par quelqu'un qui a 67 ans. Est-ce que ça vous rassure Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et la CFDT en 2018, elle a toujours été claire. Elle disait qu'elle était pour un système universel des retraites. Euh, D'abord, il y a des pénibilités dans un pour un conducteur de train, il faut quand même le reconnaître. On nous dit toujours, oui, faut, ils met plus de charbon dans la machine, ça c'est vrai. Mais euh, ceci étant, il y, 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 y a des contraintes qui ouais, sont extrêmement ça. fortes. Euh, L'âge de décote, de départ de, distance, de décote, en fait, pour tu dors pas chez de train. Le, le soir, soir. Euh, tu, tu, euh, tu es euh, l'héritage euh, d'une histoire. Euh, euh, Et donc, euh, euh, le système universel, on le voulait pour ce soit le plus juste possible, le plus conforme aux pénibilités du moment. Et les pénibilités du moment, ils ne sont pas toujours ciblés sur les bonnes, les bonnes professions. Et donc, je, 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 d'ailleurs, le gouvernement ne met pas fin à ça des entre nous. De train euh, qui et puis, font, je, je vous le dis, à la SNCF, de euh, plus, en ouais. plus en plus, il y a des contractuels. De plus en plus, il y a des gens qui sont sous statut euh, non, non SNCF, mmh. non euh, cheminots. Donc, il faut arrêter d'opposer les uns et les autres. Enfin, on voit bien dans mmh. la période... Pour expliquer qu'il faut faire cette réforme, on prend les exemples euh, qui nous garantent. Ouais. Moi, ce que je, ce, ce que je sais, c'est que les travailleurs les plus impactés, c'est ceux des les, les, les professions les plus modestes qui vont travailler plus longtemps mmh. en ayant des métiers difficiles. Olivier, dans le droit fil de la précédente question, à quoi servent les syndicats aujourd'hui à paraître systématiquement contre toute réforme Aucune proposition oh de votre part Il ne faut pas s'étonner du nombre de syndiqués. À part défendre les régimes spéciaux, qui fera du nombre lors des manifestations, je ne vois aucune proposition proposition consensuelle Laurent Berger. Vous savez, c'est la petite musique qu'on entend dans les quoi. rangs, voilà, la, question la ma elle majorité euh, casse, là. dans cette période. Les organisations syndicales, elles, elles, elles sont en train de démontrer leur centralité sur la question du travail dans toutes les professions. Parce que ceux qui sont dans la rue, il faut arrêter de dire que ce sont des gens défavorisés, des, 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 des etc. Dans les cortèges que moi j'ai fréquentés, c'est-à-dire à Albi ou Paris, c'est des gens de tous les secteurs. Nous, non, le, la, le, un des plus gros cortèges de la CVT, c'est le syndicat de la propreté. Euh, en, dans les manifestations parisiennes, par exemple. Ex Excusez-moi, mais si vous, vous appelez ça des salariés favorisés, bah, on n'a pas la même logique. Euh, donc, euh, le, le, les mais organisations syndicales elles sont en train de, de faire la démonstration qu'elles sont en phase avec le monde du travail, qu'elles euh, 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 ont euh, un accent démocratique forte. Et il faut, faut arrêter cette petite musique que ce seraient des favorisés qui euh, manifestent. Regardez, enfin, je suis désolé de le dire, mais ceux qui soutiennent le plus cette réforme, tout en n'étant pas majoritaires, ce sont les retraités. Mmh. Tous les travailleurs, quel que soit le champ professionnel, ils la rejettent. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Cette réforme, elle est injuste socialement, les salariés l'ont compris. Et elle touche particulièrement, encore une fois, ceux qui ont commencé plus tôt, qui ont des métiers les plus difficiles. Vous avez combien d'adhérents de plus depuis le 1er janvier à la CFDT Autour de 13 000 ou 14 000, je n'ai pas les derniers chiffres, mais on était à 12 000, on était à 12 000 début février. Euh, mi-février plutôt, euh, donc euh, voilà, on a, on a une augmentation de, 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 des adhésions, mais de vous clients, savez, on peut, on peut se faire des procès en légitimité les uns et les autres. À elle toute seule, la CFDT, elle a plus d'adhérents que toutes les organisations politiques confondues, que tous les partis politiques confondus. Ouais, donc maintenant, on peut, euh, on peut se faire des procès, ouais, on n'en a pas assez, on en voudrait plus, on voudrait, nous on fait évoluer notre type de syndicalisme, de syndicalisme de service, etc., mais il faut arrêter ces procès en légitimité. Euh, une question d'Alain. Ne craignez-vous pas que si on équilibre pas la retraite par répartition, euh... ce soit la retraite par capitalisation qui s'applique euh, Mais il 5, faut équilibrer le système de retraite ouais, par répartition. La CFDT n'a jamais été contre ça. Mais pourquoi les efforts doivent-ils se reposer sur les seuls travailleurs euh, Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le système aujourd'hui n'est pas gravement menacé. N'est pas gravement menacé contrairement à ce qui est dit partout euh, par les membres du gouvernement, il n'est pas gravement menacé. Et donc il y avait d'autres manières de le faire. Et la manière de le faire, c'est notamment de re revaloriser le taux d'emploi des seniors. Le taux d'emploi des seniors en Suède, c'est plus de 60%. C est, c est, Vous avez vu que l'index senior a est été... Euh, c'est 70%. 60% ont, en Allemagne, c'est 30% en France. Oui, 35%. Oui, non mais ça, on le, répète tout, euh, on le répète tous les matins, je crois. que C'est ça l'objectif des, des, des seniors est catastrophique en France, ça on le redit. Vous avez vu que l'index senior au Sénat euh, a été modifié, euh, a été assoupli par les sénateurs, euh, par la majorité de droite. Oui, c on voit bien la la que nuit il, on voit bien qu'il n'y a pas il volonté de faire peser aucune contrainte sur les entreprises, le moins de contraintes possibles sur les entreprises en, qui sont en partie responsables du déséquilibre du système de retraite. C'est ça la question. C'est comment on met davantage de contraintes sur les entreprises pour qu'elles gardent et elles embauchent des seniors. Vous, je voudrais reparler du Parlement. Vous aviez critiqué ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale. Ce matin, vous nous parlez dès le début de, du 49-3 en disant que si cette réforme venait à passer par le 49-3, ben, ce serait un déni démocratique. C'est votre, votre terme. Euh, vous allez rencontrer les députés LR à, à, à l'Assemblée nationale. C'est ce que j'ai lu. Mercredi, vous allez rencontrer Aurélien Pradier, ceux qui sont contre, pour essayer ouais, de a, les convaincre d'acculer rencontre... le gouvernement à utiliser le 49-3. C'est ça l'idée On rencontre tous les députés. Dans cette, je rencontre aussi cette semaine des députés de la majorité. Euh, mmh. Donc on rencontre tous les députés parce qu'on fait notre travail syndical qui est l'expression d'un mécontentement et d'un rejet de cette réforme dans la rue et de l'autre côté de peser auprès des parlementaires puisque le texte est aujourd'hui au Parlement. Donc effectivement, mercredi, on rencontre à l'invitation de, de M. Pradier des députés LR comme on, va député, on rencontre d'autres députés, d'autres sénateurs. Et vous espérez que, que des députés de la majorité... Bien sûr. Bien Mais sûr, moi, je, pas, si je les fait, invite à regarder ce qui se passe. C'est ce un de mouvement du monde du travail. Un mouvement qui n'est pas sur une Parce logique politique. Qui Regardez, c'est les coups organisations coups syndicales qui appellent demain. Personne d'autre. Tous les autres sont derrière. C'est des organisations syndicales. C'est un mouvement du monde du travail. Et qui dit des choses aujourd'hui sur le rapport au travail. Pas pour dire qu'on veut moins travailler, qu'on veut mieux travailler. Et Moi aussi. Moi non, moi pas aussi. moins. Par rapport ah à non, la réforme proposée, moins. Du coup. Ah bah par rapport à la réforme proposée. Mais moins, pour, notamment oui, pour euh, ceux qui, euh, aujourd'hui, ont les métiers les plus compliqués. moins que plus. Donc il <laughs> faut euh, faire attention mais à ce qui parle... Je dis aux parlementaires, il faut regarder ce qui va se passer. Et voter cette réforme, c'est se mettre à dos Parce le monde du travail fois, pendant hein. euh, de, long, de longtemps. Et il y a un risque. Je le dis, si cette réforme elle devait s'appliquer, y compris par un passage de 49.3, il y a un risque de ressentiment démocratique qui s'opérera. Et ce risque de ressentiment démocratique, malheureusement, il ira vers ceux qui se planquent aujourd'hui. Qui, dont on ne sait pas ce qu'ils pensent et d'ailleurs ils n'en pensent sans doute pas grand-chose, mais qui euh, sont euh, sont aux, à, à, à faire l'embuscade, c'est-à-dire le, le rassemblement national, national. oui, c'est uh -huh. ce que je crois. Quel regard portez-vous sur les échanges musclés hein, entre Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon par médias interposés ces derniers jours Philippe Martinez qui euh, reproche à Jean-Luc Mélenchon de s'approprier le mouvement social pour reléguer les syndicats au second plan. Jean-Luc Mélenchon lui euh, critique des attaques personnelles inadmissibles. Ça, ça vous inspire quoi On entend tant que ça. Bah, D'abord, je crois que c'est un mouvement syndical, ah, je l'ai dit, donc je suis d'accord avec Philippe Martinez, ce sont les organisations syndicales qui Alors, sont que qui appellent euh, pas sur un mot d'ordre politique, sur un mot d'ordre social, non 64 ans. Mais je crois le que le toute tentative de récupération, si elle devait exister, et elle existe sans doute, elle est malvenue et on n'y cédera pas. Donc euh, vous avez compris que je suis en phase avec Philippe Martinez. Par contre, je serai pas dans les... moi Après, je n'ai pas, euh... pas de ressentiment personnel avec quiconque, c'est pas mon problème. Les, Mais c'est un mouvement social, un mouvement syndical qui s'opère bon aujourd'hui. Euh... Il faut que les politiques, quels qu'ils soient, respectent cela et ne soient pas de se propriété Il part dans quelques jours, Philippe bon. Martinez. Il va... il va vous manquer. Bah écoutez, on n'a pas besoin qu'il soit en responsabilité, qu'on a besoin de se parler. La question qui n'a aucun rapport. Particulier, on n'est pas. Vous savez, on est très lucide. Sinon, pour sur une bonne note sympa. on n'est pas forcément toujours d'accord sur tout un tas de sujets. Mais il se trouve que humainement, on se. La lutte. On se respecte. Non, mais on se, on se, on se respecte et on, et on discute et on est capable de. Vous savez, on le fait pour une seule raison. Une seule raison, il y a une seule motivation à ce que à la période que qu'on qu est en train de vivre et l'investissement qu'on y met, en tout cas que j'y mets c'est la situation des travailleurs et des travailleuses, et la situation démocratique de notre pays. Sur les deux sujets, cette réforme, elle est néfaste. Laurent Berger, certains voient dans votre combat syndical un avenir politique. Vous avez entendu, je pense, l'édito d'Yael Gauze, vous lui en avez parlé dans les couloirs. Dans les échos, Michel Sapin, l'ancien ministre de François Hollande, disait que vous êtes en situation, c'est le meneur, celui qui dit des choses équilibrées, compréhensibles, dans un débat incompréhensible. Pour la social-démocratie orpheline, il est le seul qui la représente non mais euh, je, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je l'ai répété et je sais qu'on est dans un milieu où Il parfois quand on dit non ça, veux, ça dit peut vouloir fois, dire autre chose. Ouais. Pour moi c'est jamais le cas, quand je dis non c'est non. Et je ne ferai pas de politique à l'issue de mon mandat, qui arrivera assez rapidement, hein, parce que j'avais annoncé que je n'irai pas au bout de mon mandat. Je ne ferai pas, pas de politique pour différentes raisons, je le dirai le moment venu. Je, 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 pour différentes raisons, un, je suis un militant syndical et associatif, et je continuerai de m'engager sur des causes associatives. Ça, c'est sûr, parce que je suis un militant, parce que j'ai chevillé au corps la justice sociale et la démocratie. Et je, je ne ferai pas de politique, parce que ce n'est pas, euh, pas comme ça que doivent se comporter les anciens responsables syndicaux dans notre pays. Et j'en ai pas. Envie en fait. Je suis désolé de le dire, j'en ai pas. Il ouais, mmh. n'y a pas, pas des gens qui vous disent vas-y, vas-y. Beaucoup. Mais vous savez quand de, vous avez une petite voix intérieure qui vous dit euh, deux, euh, si surtout pas, t'en as euh, pas envie. Euh, bah, j'en ai pas envie. Je suis désolé. Pourquoi vous n'avez pas envie Il faut être fou pour le vouloir. Un peu sans doute, mais c'est surtout que moi je suis un produit de l'engagement collectif en fait. Je, 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 et donc j'aspire à refaire de l'engagement collectif peut-être en... Ça peut être, ça en peut étant être pas un engagement collectif, un, engagement ah, oui, politique ça. Oui, c'est vrai, pas, euh... pas suffisamment à mon goût, mais okay. euh, j'aspire à, à continuer à nuancer, Je crois qu'on qu peut continuer à changer la vie, à changer la situation en étant ailleurs qu'en politique, et c'est ce que j'essaierai de faire plus tard. Et il restera quoi du quinquennat Macron, du deuxième quinquennat Macron si la réforme passe à vos yeux dans 5 ou 10 stream ans Oui, tout à fait. Ah, c'est un peu difficile de faire de, de, de la prospective comme ça, mais je crois qu'il y a un grand rendez-vous manqué, notamment sur le sujet du travail. Qui est... Vous savez, le travail, de mon point de vue, c'est ce qui permet de changer la vie des gens. Quand on est bien dans son travail, on est un peu mieux dans sa vie. Et ce qui permet aussi de changer la société, parce que la façon dont on considère notamment les travailleurs les plus modestes, ça dit quelque chose de notre capacité démocratique et de notre, de notre maturité démocratique. Et donc, il restera, je crois, une grande incompréhension sur ce qu'elle travaille. Merci Laurent Berger. Merci Laurent Berger. Secrétaire général de la CFDT, merci, merci d'avoir été à notre micro. Pour que le son de la vidéo baisse quand tu parles. Ah Il ah, faudrait que je regarde ça, Ouais, c'est une bonne. Euh... Alors, ah, ça va dire, ça a directement passer à la vidéo suivante. Mais ouais, bah, je regarderai ça, ouais, c'est une, euh... une bonne remarque. Euh... Après. J'utilise OBS, mais j'utilise euh, Wavelink, un logiciel. Euh, parce en fait, j'ai un, un Wave XLR pour mon micro qui est lié à un, un logiciel qui s'appelle Wavelink. Et c'est ce logiciel qui, euh, qui regroupe toutes les pistes audio. Donc, il faudrait que je regarde. Euh, mais en effet, il y a peut-être un moyen de, de mettre euh, peut-être un, un pass... Euh, en gros, de baisser en effet le, une sortie quand il y a une entrée qui, qui qui a du son. On va voir. Mais bonne bonne idée. Ouais. Bonne idée, bonne idée. Alors du coup, on passe sur la vidéo de Macron sur euh, les marioles. Donc euh, chez Blast. Donc euh, comme je disais en intro, hein, les, les nouveaux guignols de l'info. <laughs> on va voir ça. C'est parti. il y a un sous-titre là qui... Il a presque empêché la guerre en Ukraine. Il est presque le Mozart de la finance. Il a presque réussi normal sup. Il est presque bon <laughs> en tout. Et peut-être vraiment bon à rien. Ah, Bonjour Emmanuel Macron. Bienvenue bon dans, dans ouais. l'appart. Bonjour. Pas très gentil cette présentation. Ah bon, vous trouvez Je me suis trompé. Mais sur l'immigration par exemple, vous vous êtes trompé aussi, non sous-estimer l'impact du grand remplacement, c'était pas une erreur selon vous Qu'est-ce que t'inspire cette photo euh, <laughs> Et celle-là À ton avis, là, on est en France ou à Bagdad <laughs> Allô C'est les rencontres du papotin C'est encore les handicapés Des belles fégores partout en fait, Et ça te fait pas réagir, ça Vincent Vincent, c'est toi c'est génial, l'intelligence artificielle, non? Je t'ai bien eu, hein? C'est quoi ces méthodes, nom d'une pipe? Euh, tu, tu veux quoi, à la fin? Zemmour, Premier ministre, voilà ce que je veux. On en a déjà parlé, c'est non. Il est trollé, il est vilain et fait fuir les gens. Gédarmanin, c'est déjà pas mal. Lui, il a un mauvais fond, mais il a une tête de gentil. Il a l'air malsain, oui, mais il est efficace. Les migrants qu'on laisse même plus dormir tranquille, les tentes lacérées à Calais, c'est pas lui, peut-être? L'eau glacée dans les duvets, hein? C'est qui? Hein, Vincent, c'est qui? C'est lui, oui. C'est nous. Nous, Vincent. La France en ensauvagée. Marine Le Pen trop molle, tout ça, il a dit, mon Gérald. Et puis, on a mis la police partout, avec des autos toutes neuves. On fait des efforts, tu vois bien. J'ai expulsé l'imam Machin, là. Euh, J'ai dit que Maurras était un grand écrivain. J'ai même rendu hommage à Pétain, aux Invalides, Vincent. Bon, je me suis peut-être un peu emporté. C'est vrai que globalement, ça va dans le bon sens, ton affaire. Ah, c'est un malentendu tout ça. Mon leg, ce sera Le Pen en 2027. Je te le promets. Non, oh, mais tu as raison. Excuse-moi, je suis entier, moi, tu sais, nature peinture. Je suis trop impatient. C'est rien, c'est déjà oublié. On fait la petite photo? Vous venez de. Ok, ok, ok. Bon, on peut peut-être laisser là. là. regarder un sketch écrit par Usul, Max Shabba et moi. Mais au-delà de nous trois, on est une vingtaine à travailler sur ce projet et à le rendre possible au quotidien. Il y a des gens derrière la caméra, à la réalisation, au son, aux imitations évidemment, pour les décors 3D, le graphisme, l'administratif, etc. Et c'est grâce à tous ces gens que des sketchs peuvent voir le jour. Et il faut payer tout le monde. Il faut payer les caméras, il faut payer le studio de tournage, les marionnettes, les costumes les accessoires et les sandwiches bien sûr. Pour que les marioles puissent exister sur la durée, il faut donc que nous en ayons les moyens. Et c'est pour ça qu'on a lancé une campagne sur KissKissBankBank. Bank. Et maintenant, le reste dépend de vous. Si vous avez envie que les marioles continuent au-delà des quelques sketchs qu'on va diffuser pendant la campagne, aidez-nous à créer cette émission de satire avec des marionnettes. Les années qui viennent s'annoncent un peu difficiles. Alors si on peut pas rigoler, ça va être encore plus difficile. Voilà, vous savez tout. Vous avez un lien pour participer dans la description. On compte sur vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Parfait. Bon, bah, c'était pas mal. Un peu mieux que... Un peu moins bien, j'ai trouvé, que celui, le précédent, là, que j'avais vu, euh, qui était, pour le coup, assez rigolo. Euh... Pourquoi pas Après, je ne sais plus euh, en termes... De... J'ai trouvé un peu qu'en termes de rythme, c'était... Il y avait... C'était pas dingue, quoi, là. Mais bon, après, le problème aussi qu'ils ont, mais ça, c'est pas de leur faute, hein, c'est qu'ils ont que deux marionnettes. <laughs> Parce qu'apparemment, une marionnette, c'est genre 10-15 000, 000 balles à produire. Et donc, euh, donc. forcément, pour le moment, ils ont que euh, bah, Macron et Bolloré. Donc, euh, ça tourne un peu en rond euh, en termes de, de scénario et de mise en scène, et, et en, tout, en tout cas de personnages, quoi. Donc, c'est sûr que, bon. Ils font avec ce qu'ils qu peuvent, quoi. Mais bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas? Je sais pas, peut-être que je participerai à la, à la campagne de financement. Je sais pas encore. Je me tâte. Bon, alors on va passer à la suite. On va passer à la suite. Donc là, c'est euh, la vidéo qu'on n'avait pas fait la semaine dernière, qui est la chronique de Salomé Sake sur Blast. Donc chronique écho sur donc euh, apparemment le néolibéralisme donc on va voir ce que ça donne alors il est possible que euh, qu'on n'aille pas au bout de la vidéo donc je vous mettrai le lien dans le chat Là, je vais la mettre dès maintenant d'ailleurs euh, parce que je pense que j'arrêterai le stream dans 20 minutes Hop là, je mets le, le lien et on va commencer la vidéo. Inflation, pénurie, augmentation rapide des inégalités, réchauffement climatique, destruction de la biodiversité, montée de l'extrême droite. Chaque jour, le système économique néolibéral montre des limites un peu plus saillantes, un peu plus évidentes. L'inflation alimentaire devrait rester relativement élevée encore en 2023. Le nombre de désastres climatiques augmente avec le temps, et l'ampleur de ces catastrophes est de plus en plus importante. Sommes-nous à la veille d'une récession mondiale Des feux de forêt plus intenses pendant des périodes plus longues, allant du printemps à l'automne. La pauvreté des Européens, étudiants en galère, retraités pauvres et isolés, maman solo. Un citoyen sur quatre se dit en situation de précarité. La Banque mondiale prédit une facture annuelle de 68 milliards de dollars avant la fin du siècle. Soit nous allons sur une trajectoire qui nous mène au désastre, soit nous prenons les, les, les mesures nécessaires actuellement et nous arrivons à amorcer un tournant qui nous permet de vivre dans un climat stable. L'effondrement de ce système devient une hypothèse possible et les alternatives à ce scénario sont souvent taxées d'utopistes ou d'irréalistes. Alors est-il vraiment envisageable de sortir du système néolibéral Si oui, comment C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. David Kayla, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, membre du collectif des économistes atterrés. Vous avez déjà publié deux livres intitulés L'économie du réel et Populisme et néolibéralisme et vous revenez aujourd'hui avec un nouvel essai Déclin et chute du néolibéralisme aux éditions de Boeck Supérieur. Et alors, dans ce livre vous estimez que la doctrine néolibérale est en train de s'essouffler et vous mmh. proposez plusieurs alternatives à ce système. Alors, à Blast, on a déjà on fait des longues ça, de longues émissions où on parle des limites du système néolibéral. On avait notamment invité le journaliste enfin, économique marie Godin, vont, effet, Vincent Liégé, qui débuts, nous parlait de la nécessité sortir de sortir euh... du système productiviste. Et donc, on a beaucoup en parlé en général, de cette nécessité de changement ça, de modèle. Euh, Alors, fond, avant euh, d'aller plus loin dans les alternatives que vous vous proposez au néolibéralisme, j'aimerais que vous nous donniez, vous, votre euh, définition du néolibéralisme, mmh. qui, qui a paru pour marquer notamment une distinction avec le libéralisme classique. Oui, et puis avec d'autres modes de, de, de régulation de l'économie. En, en fait, le néolibéralisme c'est une doctrine. Donc une doctrine, ça vise à donner aux responsables politiques, euh, comment dire, un cadre normatif euh, pour euh, agir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est pas une théorie au sens où euh, la théorie sert à comprendre le monde. Ça sert vraiment à guider l'action. Euh, donc le néolibéralisme, en fait, c'est une doctrine. Mmh qui essaye d'analyser les relations entre l'État et le marché, et qui dit une chose assez simple, pour que la société fonctionne bien, il faut que les gens euh, puissent se comporter à partir d'un système de prix qui doit être déterminé par les marchés. En quelque sorte, les marchés créent des prix. Euh, les prix créent des incitations et les incitations coordonnent le comportement des gens et des, des uns et des autres. Et donc, si on pense ça, alors le rôle de l'État doit être d'organiser le marché, de, de se mettre au service du bon fonctionnement du marché, parce que les néolibéraux, contrairement aux libéraux classiques, euh, ils, ils sont persuadés que le marché peut dysfonctionner. Et donc, comme le marché peut dysfonctionner, il faut que l'État se mette à son service. Comme le marché l'a montré oui, ça. Les, les avec les différentes crises, etc. Donc, euh... Donc, ce n'est pas déconnant de dire qu'en effet, le marché peut dysfonctionner. La distinction avec le libéralisme, c'est l'État au voilà, service du marché. des marchés. C'est le système dans lequel on se trouve actuellement. C'est euh, ça, vendus. exactement. Et alors, selon vous, depuis euh, la crise des subprimes, notamment en 2008, ça a un peu sonné le, le glas oui. de la... Enfin, enfin, du néolibéralisme. Le néolibéralisme, selon vous, serait en déclin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça Eh bien, justement, euh, en fait, l'un des composants du néolibéralisme, c'est la dérégulation financière. Et pourquoi on a dérégulé la finance Parce que la finance, c'est très important. C'est en quelque sorte le coût du capital. Et le coût ah du non, capital va déterminer. En fait, le... je me suis planté. Donc, euh, justement, les, les dernières crises sont apparues à cause des dérégulations. Et en effet, donc, euh, est-ce qu'une crise, c'est un dysfonctionnement ou justement le fonctionnement normal Eh bien, <laughs> c'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, bah ça dépend de la cause de la crise déjà parce que si la crise c'est là comme ils viennent de le dire en effet c'est euh, il y a des dérégulations c'est juste que euh, bah, c'est un dysfonctionnement de, du fait que il euh, y avait il a des choses qui ont été faites qui auraient sans doute peut-être pas, hein, euh, pas dû être faites que pas dû être faites que c'était une mauvaise idée donc euh, après, tu me diras, est-ce que euh, le fait qu'il y ait des mauvaises idées, ce n'est pas normal, et que du coup, ça provoque une crise, c'est normal, et ça permet de, de faire respirer le marché, entre guillemets, et des hauts débats, etc., pour qu'il y ait, des... par exemple, la bulle Internet. La bulle Internet, ce n'était pas un problème de dérégulation, en effet, c'était plus, tout le monde s'est jeté sur, euh, sur ces produits liés à la sphère faire bah, numérique. Hein. Ça s'est craché et ça a permis à d'autres acteurs d'émerger. C'est là qu'on a vu après les. Déjà, tu as les acteurs qui sont restés, genre Amazon, Google, etc., qui étaient à ce moment-là. C'est eux qui, du coup, ont pu réémerger derrière, sur les cendres un peu des anciens acteurs. Donc, en soi, oui, peut-être que les crises peuvent avoir un rôle un peu de. Voilà, c'est un peu la politique de. C'est un peu le. Quand on fait un feu de forêt sur une forêt, bah en fait derrière c'est bien pas trop mal parce que ça, ça crame tout, mais ça, crame, ça, ça crée de, un engrais qui va potentiellement permettre à des, des, nouveaux, des, des, nouvelles, des nouveaux arbres de pousser. Ça va aussi cramer les mauvaises herbes et tout. Tu vois. Donc en effet, c'est la question peut se poser. La question peut se poser. En fait, réguler un marché n'a aucun sens aujourd'hui. Les régulations sont locales, le marché est international. Oui. Oui, oui, bah après, après tu as quand même des régulations euh, internationales. Hein. Ce n'est pas, euh, pas la, foire, euh, la foire à la saucisse non plus. Hein. Tu as des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Tu peux pas. Tu as quand même un cadre global. Hein. Tu ne fais pas tout ce que tu veux. Hein. Le coût de plein de choses, c'est-à-dire euh, combien on évalue en quelque sorte. Euh, le financement des infrastructures, des entreprises, de tout le système productif. Et les néolibéraux, avec cette idée que les prix doivent être déterminés par les marchés, ils ont étendu la sphère du marché, supprimé la réglementation de la finance pour que la finance soit réellement guidée par les prix de marché. Et en fait, la crise de 2008, c'est l'effondrement de tout ce système. Et l'effondrement à tel point qu'en 2007, au moment de la crise de subprime, puis en 2008, après la crise de Lehman Brothers, il n'y a plus de prix de marché pour un certain nombre d'actifs financiers. Et c'est l'État américain, fédéral, et la Banque centrale, qui, à partir du quantitative easing, hein, l'assouplissement quantitatif, s'est mise à racheter des titres financiers, c'est-à-dire à leur réattribuer des prix. Mmh. Et en fait... Depuis cette époque-là, eh bien la finance est en grande partie lui régulée lui acheté, par des prix administrés de prix. qui sont administrés par qui Par la banque centrale qui en ça, fait qui gère les taux d'intérêt à long terme, c'est-à-dire avec pas. ses interventions sur les marchés financiers, euh, contrôle mais sous contrôle la finance. Et oui, mais ça si on arrive comme ça de loin, on pourrait se dire que bah, c'est une bonne chose, ils encadrent oui, la finance. C'est une bonne chose. C'est pour ça que le néolibéralisme euh, s'effondre parce que l'idéal néolibéral de régulation par les prix de marché n'existe plus aujourd'hui, sauf que pour l'instant, on a sauvé les banques, mmh. c'est-à-dire qu'on régule euh, les prix qui concernent la finance, mais on ne régule pas les prix des marchés agricoles, des agriculteurs, on n'arrive toujours pas à réguler les prix de l'énergie, on euh, ne régule pas les prix des matières premières. Donc, euh, on a enfoncé un coin dans le néolibéralisme, puisque la finance, qui a d'ailleurs été le... C'est ça, en fait, on a montré sur une part du marché qu'il y avait... Euh... Que le néolibéralisme, que le côté euh, les prix fluctuent tout seuls et c'est l'offre et la demande qui créent les prix, euh, que ça pouvait ne pas marcher. Donc en fait, en soi, ça a juste euh, démontré par, euh, par l'exemple, hein, euh, ou plutôt par l'absurde, que, euh, que le néolibéralisme qui juste dit dans tous les cas, il faut euh, que les prix, et le, enfin, qu'en en gros le marché soit, soit libre et qu'il n'y ait pas d'intervention de l'État. Bah du coup, le fait qu'il y ait une intervention de l'État, ne serait-ce qu'un tout petit pan, euh, je sais pas si c'était petit ou pas, mais en tout cas d'un pan du marché, ça suffit à faire s'effondrer toute la théorie. En fait, si ta théorie, c'est vraiment, ben bah non, euh, tout est comme ça, forcément, euh, raisonnement par l'absurde premier marché à être néolibéralisé, si je puis dire, euh, c'est-à-dire libéralisé, euh, eh bien cette finance revient sous le, sous le contrôle des, des autorités publiques, mais par contre il y a tout un ensemble de marchés qui restent totalement régulés selon le régime néolibéral. Et quand est-ce qu'on peut dire qu'on est rentré dans ce système Parce que là on dit aujourd'hui c'est le système qui prévaut. Ouais. À partir de quel moment on a commencé à fonctionner de cette façon À partir de la fin des trente glorieuses, dans les années 70, puisque là euh, en fait il y a la stagflation, euh, la crise économique du, du choc pétrolier. Et là, on a des néolibéraux qui arrivent et qui disent Non, mais c'est parce qu'il y a trop d'interventions de l'État, et ils vont déstructurer. Ils commenceront d'ailleurs par la finance. Reagan, hein, et vraiment, puis ensuite, hein. ils libéraliseront le marché du travail, le marché et des de les marchés des matières premières, de l'énergie. Ils vont créer euh, tous les services publics qu'ils vont libéraliser en, en Europe. Et donc, on va dire que ça commence en 1970, et puis ça va se prolonger jusqu'aux années 2000. Le néolibéralisme n'est vraiment achevé qu'au début des années 2000, en réalité. Et il bien. commence à connaître sa chute à partir de, du 2000, de 2008. Du, de, ouais, de 2008. Voilà. Donc, il n'a pas duré longtemps. Et même le marché de l'électricité, il a été libéralisé dans les années 2000, hein. bien après encore. Et, euh, ouais, mais, plus, et ouais, là, 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 le, le truc, c'est qu'on a, sur, en, dans la finance, euh, on est revenu en arrière. Et moi, j'attends qu'on revienne en arrière dans d'autres marchés. C'est mmh. là où, pour l'instant, euh, le néolibéralisme continue de sévir, si je puis dire, parce qu'il y a plein de marchés qui sont encore régulés par la concurrence et qui en, entraînent des aberrations, comme le marché de l'électricité. Et alors, vous, ce que vous dites, c'est que, de toute façon, ce système touche à sa fin. Alors, vous précisez que vous n'êtes pas voyant, que oui. c'est des tendances que vous analysez, mais quand même, dans l'ensemble, pour vous, ce système va finir par s'effondrer. Et vous insistez dans votre livre sur le rôle des pénuries. Mmh. Euh, vous écrivez la gestion des pénuries n'est pas un problème pour demain, c'est un problème d'aujourd'hui. Une société dans laquelle les pénuries se multiplierait, ne peut plus être une société gérée par les marchés et la concurrence. Est-ce oui. que ce sont les pénuries, finalement, qui pourraient tout faire basculer Oui, en, en partie, oui. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec le gaz. Euh, que, que, pourquoi on a commencé à remettre en cause le marché de l'électricité Et même, pourquoi est-ce qu'en Union européenne, on a, on a essayé de mettre en place, alors on n'a pas complètement réussi, un système de plafonnement des prix du gaz C'est parce que bah, la guerre en Ukraine, euh, on coupe le robinet du gaz euh, qui vient de Russie et on se retrouve devant des pénuries et la gestion des pénuries. Et là, euh, on ne peut pas dire à un industriel eh « Écoutez, maintenant, votre gaz, ça va être quatre ou cinq fois le prix. Euh, » Parce que l'industriel va dire bah, « Dans ce cas-là, moi, je, je pars et je vais aller produire aux États-Unis, là où le gaz n'est pas cher. » Et donc, euh, de fait, euh, le néolibéralisme, en fait, n'est praticable que dans un système économique ultra-productiviste, comme celui qu'on a connu. Où il y a une euh, forme d'abondance. Où il y a une forme d'abondance. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance Alors attention, hein, pas comme Macron euh, oui. qui dit la fin de l'abondance, mais c'est vrai quelque part que, euh, et puis il n'y a pas d'abondance pour tout le monde surtout, mais euh, du point de vue des, comment dire, de la gestion euh, des ressources, euh, on peut avoir des variations de prix qui ne vont pas être des multiplications par 4 ou par 5. Or en période de pénurie, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des rapports de force extrêmement forts qui vont se passer sur le marché et on va avoir des explosions de prix qui vont euh, en fait entraîner euh, l'économie, qui peuvent entraîner l'économie dans le chaos. Et euh, alors la preuve de cela c'est l'économie de guerre pendant euh, en 945 ben oui parce que oui parce qu'en fait en, ce qui s'est passé dans, en 39-45 aux États-Unis par exemple, ils n'ont pas été directement touchés par la guerre, mais ils ont connu des restrictions euh, des restrictions des pénuries euh, parce qu'il il a fallu de, en particulier euh, que le système productif américain commence à produire des armes au lieu de produire des voitures hmm. ou, euh, ou des choses pour, 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 les, pour des les gens, char, et donc ça, le, le danger pour, pour Roosevelt à l'époque, qui était donc président des États-Unis, c'était que si on laissait les pénuries se faire toutes seules, eh bien, ça allait faire exploser les prix des, des biens de consommation, euh, puisque les gens qui travaillaient pour ces hmm. biens de consommation allaient travailler pour l'industrie d'armement, et donc il fallait à tout prix éviter la contestation sociale. Donc, il a mis en place un système de de gestion fédérale des prix, Il y a un bureau, le bureau de la, du contrôle des prix aux États-Unis, qui a été mis en place avant même le déclenchement de la guerre en 1940 et qui s'est prolongé jusqu'à la fin ouais, de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, moi, moi, mon sentiment, c'est que quand on est confronté à des pénuries, on ne peut pas juste réguler par le prix de marché. On, on est obligé euh, de se de faire compte, intervenir l'État. Voilà, de faire intervenir l'État d'une manière ou d'une autre pour éviter qu que ces pénuries si se transforment en explosion problème, des prix et en ouais. inaccessibilité pour certains matière indispensable euh, des, des gens. Et, et le gouvernement fait ça, d'ailleurs, quand il a fait le bouclier tarifaire, entre guillemets, sur euh, l'électricité, ou quand il a, il a répondu aux attentes des boulangers, il a déjà fait ça. Sauf que le gouvernement aujourd'hui, il le fait toujours à posteriori, -à -dire qu y a posteriori, c'est-à-dire que les problèmes se posent et puis ouais. lui il arrive et il essaie de regarder Bruno Le Maire, il ouais, arrive, regardez, j'ai résolu le problème. Très bon. et et surtout, on en a déjà pas mal parlé, ben, euh... encore une fois ici, euh, sur le fait que ça ne redistribuait pas euh, réellement et que ça profitait quand même globalement euh, aux et, très grandes entreprises. Et, et ça fait quand même des, des prix qui multiplie par 4. Donc euh, on explique euh, voilà que les, les boulangers sont sauvés parce qu'ils vont payer que 280 euros le, le, le mégawatt alors que EDF produit l'électricité à 50 ou 60 euros le mégawatt-heure. Mais, mais du, du coup, l'intérêt, c'est d'être un peu en amont, c'est-à-dire au lieu que de répondre une fois que le problème se pose, essayer d'organiser la société... À partir d'un autre principe que, que le prix de marché lorsqu'on a affaire et potentiellement des pénuries. Et ça, c'est une des très nombreuses solutions que vous proposez dans ce livre. Euh, de manière générale, vous dites que vous proposez de bâtir euh, de nouveaux rapports entre société et marché mmh. et vous invitez notamment euh, à mettre fin euh, au monétarisme pour revenir à un pilotage public d'une partie de l'économie. Qu'est-ce que vous entendez par là Alors, le monétarisme, bon, c'est plutôt la, la partie monétariste, c'est plutôt la partie financière, c'est-à-dire la question de la monnaie. Mais plus largement, c'est l'idée, c'est par exemple l'idée des rapports entre économie et société, c'est l'idée que l'économie ne peut pas fonctionner sans la société euh, et qu'elle doit être normalement au service de la société. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, euh, par exemple sur le marché immobilier, j'entendais récemment une statistique à Paris où, depuis 10 ans, 120 000 personnes ont quitté Paris. Les gens qui ont quitté Paris n'ont pas quitté Paris parce qu'ils n'aiment pas Paris. Paris, c'est une des villes avec le plus d'infrastructures publiques, avec le ah, plus d'institutions, avec le plus d'emplois. De, euh, non, ils ont quitté Paris parce que les logements étaient trop chers et que souvent ils ont eu des enfants. Hmm. Et quand on a des enfants à Paris, eh ben, en fait, hmm. euh, on a besoin d'avoir, un... On, on peut pas parce qu'on n'a pas le quoi avoir un trois pièces ou un quatre pièces pour avoir des enfants. Donc les ça. gens s'exilent, mais ils s'exilent à cause du marché. Je veux dire par là, ils s'exilent parce que les prix de l'immobilier à Paris sont devenus délirants hmm. et si on veut une société, et alors le pire c'est qu'ils s'exilent en banlieue ou en grande banlieue. Or leur travail continue d'être sur Paris, donc et ça donc ça effrayer. crée l'incongruence des transports et ça crée les situations qu'on a aujourd'hui dans le métro parisien, avec euh, malheureusement pas assez de métro et un grand engorgement. Et, et coup, donc ça, ça veut dire a, que ça le, un, il faut ça impacte beaucoup de services publics hein, qui font que euh, ça impacte l'État et donc ça aurait du sens potentiellement de euh si l'État planifiait un peu plus les choses, ou si on anticipait un peu mieux les choses, qu'il y ait euh, des, des variables d'ajustement un peu euh, qui soient mises pour justement éviter ce genre de phénomène, quoi. Pour Réussir à réfléchir non pas avec des marchés qui s'imposent aux sociétés, mais en essayant de mettre justement les marchés au service de la société, ou plutôt l'économie au service de la société, en, en, en organisant les choses un peu différemment. Et, Et ça, ça passe par un retour de la puissance publique. Oui, et puis par exemple, ben, parfois des interdictions. Par exemple, est-ce qu'il est normal que euh, sur une ressource rare, on parle des pénuries comme le logement à Paris, euh, n'importe qui dans le monde, y compris un milliardaire américain oui. ou saoudien mmh. ou je ne sais ça, qui, bon point, peut euh, privatiser un hôtel entier à Paris et puis dire ben, écoutez, moi j'y vais juste pour les vacances euh, de mois par an. Ouais, euh, c'est euh, ça le problème, c'est que si on laisse le marché gérer le la distribution Paris, des ressources, alors les plus riches, ils font les ce qu'ils veulent ils ont une liberté totale, y compris. D'acheter euh, des logements qui sont rares. Et, euh, bon, on... Ça, c'est pour l'exemple de l'immobilier. Oui. Euh, c'est vraiment un exemple de dérégulation euh, du marché euh, qui ne va pas profiter à la collectivité, mais à quelques-uns. Et donc, Exactement. un cas où, en fait, l'économie n'est pas au service de, de la société. Donc, vous, vous appelez finalement à reprendre une forme de contrôle mmh. sur l'économie. Mais vous mettez aussi en garde contre euh, le retour de l'État, de la puissance publique, qui pourrait être trop fort et auquel il faut faire attention. Alors, Parce ouais, que ça pourrait aller, provoquer notamment une forme de, 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 de népotisme. Oui, alors attention. Oui, en fait, ce que ah, je veux dire, c'est que dans le communisme, évidemment. Aujourd'hui, on a des revendications de la part de, de, de certains pays euh, de changer de modèle, de quitter le néolibéralisme en réaffirmant la puissance de l'État. Et, et là, je pense par exemple à, à ce qui se passe en Turquie euh, ou en Chine, mais bon, le Chine n'a jamais été vraiment néolibéral au sens euh, classique, ou en Russie ou en, en Hongrie. Donc, ce sont des, des pays dans lesquels euh, le rejet, Paris, on oui. va dire, de l'impuissance de l'État a conduit les électeurs à voter pour des dirigeants forts. Euh, c'est très clair en Russie, par exemple. Poutine, c'est la suite de Yeltsin. C'est-à-dire qu'Yeltsin, c'est le gouvernement Donc, on a mis en place la thérapie de choc en Russie. Euh, le système économique s'est effondré et Yeltsin n'arrivait plus à faire rentrer les impôts parce que finalement, c'était ce qu'on appelait les oligarques, c'est-à-dire les ah, très bien, riches qui okay. dirigeaient en quelque sorte le pays. Donc les gens en ont eu marre, ils ont voté pour quelqu'un. Euh, alors, petit aparté, <laughs> euh, pour moi c'était Victor Orban qui dirigeait la Hongrie. Et en fait, plus depuis euh, plus depuis euh, je ne sais pas qui. Enfin, je n'ai pas qu'à date, mais apparemment maintenant, c'est une présidente qui s'appelle Katalin Novak. Voilà, pour ceux qui que ça intéresse, je regarderai... Ça. qui a dit, bah, je vais remettre de l'ordre. Et, euh, et ça, c'est une tentation, en fait. Des choses oui, mais dont... ce n'est pas forcément en rupture avec le système néolibéral. Alors, ce n'est plus le système néolibéral, puisque si c'est l'État qui décide de toute la société, ce n'est plus le marché. Donc, ce n'est plus le néolibéralisme au sens strict. Mais par contre, c'est la conséquence euh, du néolibéralisme. Euh, J'avais parlé de ça un peu dans Populisme et Néolibéralisme. Hmm. C'était ma thèse. C'est-à-dire, le populisme, c'est la conséquence... Du néolibéralisme, puisque finalement, euh, les institutions sociales et politiques étant déconsidérées à, des, à cause du fait qu'elles sont devenues impuissantes à gérer l'économie, un... eh bien, les gens ont voté pour des populistes de tolère, euh, qui vont, euh... eux, chercher à remettre de l'ordre entre guillemets. Mais oui. en remettant de l'ordre, en fait, très souvent, ils s'extraient de tout un ensemble de règles euh, qui sont ce qu'on appelle les règles de l'État de droit. Oui. Euh, et et, la et, et ça, ça pose, voilà, et donc ça pose des problèmes en termes de liberté publique. Et, et puis en plus, par ailleurs, c'est même pas tellement efficace, en fait. Très souvent, euh, ces systèmes. Alors je, je raconte un peu sur la Turquie. C'est assez amusant parce que le président turc Erdogan, euh, il a voulu décider de de ne pas. Enfin, c'est une question monétaire, mais en gros, euh, la banque centrale gère la monnaie et euh, décide des taux d'intérêt euh, auxquels se refinancent les banques. Et il y avait une inflation très forte en Turquie et euh, la banque centrale voulait augmenter les taux d'intérêt comme souvent euh, on fait, enfin, comme le néolibéralisme, la doctrine monétariste le dit. Et lui, il voulait pas parce que quand on augmente les taux d'intérêt, ça, ça, ça pénalise les entreprises et le système productif. Et, et donc ça. il a dit non, non, non. Il a donc viré le, le président de la banque centrale de Turquie, il en a mis un autre, et puis il l'a reviré, il l'a viré de cet autre, et puis on a remis un autre. Enfin, il y a eu tout un ensemble de, de présidents de la banque centrale qui se sont succédés et il leur a imposé. Qu'ils baissent les taux d'intérêt au lieu de les augmenter. Et la conséquence, c'est que l'inflation a explosé en Turquie. Ce qui est marrant, c'est que ça procédait au départ d'une idée intéressante, qui est de dire euh, il ne faut pas que la politique monétaire soit décidée par des technocrates, euh, des banques centrales indépendantes il faut qu'elle soit politisée. Mais quand on dit ça, ça serait bien d'avoir un peu de débat. C'est-à-dire ah, que oui, la politisation. C'est euh... ouais, ça. Choix, Erdogan, n'est en fait, pas le type qui va euh, accepter de discuter avec son parlement de la politique monétaire. Et donc, au lieu de, ouais, de, de, de démocratiser le démocrate. système, c'est-à-dire de, de faire un débat pour ou contre, de voir les tenants et les aboutissants, il va imposer sa propre doctrine. Euh, voilà, sans, et, et ça va forcément échouer. Donc là, vous dans ce livre, vous appelez à, euh, euh, comment dire, à intégrer de manière non discutable et indispensable la démocratie voilà. dans le renouvellement un petit peu du système économique. Et vous, ça. Vous, vous utilisez l'expression de « réencastrer l'économie dans la démocratie ». Qu'est-ce que vous entendez par là Eh bien c'est ça, c'est-à-dire que face à l'autocrate et face au marché, la voie intermédiaire ou celle que je propose, c'est la voie démocratique. Mais il va falloir réinsulfler la démocratie. Et une des choses, alors, je n'en parle pas forcément dans le livre, mais c'est une question qui me semble extrêmement importante aujourd'hui. On voit les manifestations sur les retraites. Euh, c'est que la démocratie ne relève pas uniquement de l'élection. C'est-à-dire, on élue quelqu'un et puis il fait tout ce qu'il veut. La démocratie, ça relève de tout un processus de discussion. Et par exemple, avec les partenaires sociaux, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. C'est ça qui est très malmené aujourd'hui dans ce pays. Il y, y, y a une tendance chez Macron d'autocratie. Euh, C'est-à-dire que lui-même, il est le produit d'une révolte. Il y a un côté populiste chez Macron. Ouais, c'est ça, c'est le côté euh, j'ai été élu, donc j'ai un blanc-seing pour faire ce que je veux, en fait. Quelles que soient euh, quel que les résistances, quel que soit euh, le point de vue de, des autres, quels que soient aussi euh, les compromis qu'on propose. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est en ça que c'est très important de, de remettre la démocratie au cœur. Hein. C'est-à-dire, les gens ont voté Macron aussi pour mettre à bas le système politique dont ils estimaient qu'il était un peu en échec en fait. Hein. Après Sarkozy, après Hollande, après Chirac, on a voulu quelque chose, quelqu'un de nouveau. Et lui-même a dit, bah, c'est lui qui a, qui, a, qui a parlé du président jupitérien, euh, et, et, et quelque part il a affaibli toutes les instances de discussion euh, ah, oui, oui. que sont la démocratie sociale. Et, euh, et quand on parle donc de, de démocratie économique, il ne faut pas limiter la démocratie aux élections il faut aussi prendre en considération la manière dont les personnes qu'on élit euh, se concertent avec les uns et les autres avec les corps intermédiaires avec les syndicats avec les représentants des citoyens dans la durée et pas juste dans un dialogue euh, l'élu avec le peuple comme il a voulu faire dans le grand débat macron c'est à dire je suis tout seul je, je n'ai même plus de journalistes. Hein, je fais des grands débats euh, délocalisés ça, ce n'est pas la démocratie, ça, c'est une forme de populisme. Et pourtant, ces institutions dont on aurait tant besoin, c est, c est tous les corps intermédiaires, tout le, le, toutes les institutions démocratiques en France, elles s'affaiblissent d'année en année. Euh, on en a encore une fois beaucoup parlé à Blaise, donc je ne vais pas refaire le, le topo hein, pour les gens qui nous regardent, mais, euh, mais de manière générale, ça va, on ne va pas dans ce sens-là. Et pourtant, on en aurait besoin pour pouvoir proposer une alternative au, au néolibéralisme. Comment est-ce qu'on fait avec cette équation-là eh bien, je n'ai pas de réponse. Euh, moi, j'ai essayé d'écrire pour euh, justement dire qu'il il ne faut pas jeter la démocratie avec l'eau du bain. Il faut pas, euh, euh, il faut comment dire reconstruire -re -re des instances de discussion, de débat euh, contradictoires. Et je mets en garde aussi euh, parfois quelques mes, mes amis lorsque ils disent bon euh, tout se pourrit euh, euh, parce que on est en train de scier la branche sur laquelle on est. Il ouais, euh, n'y hein. a pas dix mille façons de diriger une société. On peut pas, euh, comment dire, une société, c'est un corps social fragile. Euh, on peut pas trop le brutaliser. Euh, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le néolibéralisme a beaucoup fragilisé la société et beaucoup participé à la délégitimation des, 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 des institutions sociales, ouais, notamment. Ouais. Parce que le fait de justement tout laisser au marché, ça peut aussi laisser entendre que l'État peut rien faire. Et c'est aussi les discours que l'on entend régulièrement, hein, de dire, ben bah non. Euh... Euh, si, euh, si on augmente euh, les charges des entreprises, et bah, de toute façon les entreprises vont partir, ça va augmenter le chômage, etc. Et du coup l'État peut rien faire. Et en fait, ça, ça crée aussi un, un, une idée lancinante qui dit que en fait bah, l'économie, l'État peut pas y toucher quoi. L'État peut pas y toucher et donc euh, l'État est impuissant. Donc en fait, euh, bah, ils peuvent rien faire. Donc ils sont nuls quoi. ne servent à rien. Et donc ça c'est une idée qui est qui est très problématique en fait. De nos parlementaires, de nos ah, juste titre d'ailleurs hein, de, 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 des présidents qu'on a eus, des ministres etc. Euh, et les ministres eux-mêmes se comportent euh, parfois, ils donnent la, la corde pour euh, se faire pendre si je puis dire, ou le bâton pour se faire battre. Euh, on voit l'affaire du soft, bon bah il aurait dû démissionner. Euh, c'est pas normal de défendre le projet de retraite en ayant euh, un procès, enfin euh, voilà. Euh, oui. qui, qui... Bon réhabiliter ces institutions c'est indispensable. Et ça, à mon avis, ça, ça, ça passe aussi par un discours qui veut dire on ne peut pas se passer de la démocratie. Oui, y compris quand on veut transformer l'économie voilà. de manière aussi profonde que ce que vous proposez. Et alors à tout cela vient s'ajouter un autre problème, celui de l'Union européenne. C'est-à-dire que vous voulez de la démocratie. Vous le rappelez, on en parle encore une fois si souvent de, de l'importance des institutions européennes qui mmh. ne sont par essence, pour la majeure partie, pas démocratiques mmh. et qui pourtant ont un pouvoir de décision énorme sur notre économie et la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a un vrai problème par rapport à l'Union européenne parce que c'est une institution qui décide. De beaucoup de choses, euh, puisque, on va dire, toute la politique commerciale, la politique monétaire, la politique industrielle, la concurrence, on parlait tout à l'heure du, du, du marché de l'électricité, ouais, tout, euh, tout ça est décidé à l'échelle européenne. européenne. Or, l'Union européenne n'est pas un espace de discussion euh, qui est pertinent pour, pour les gens. En fait, euh, pour, pour comprendre la démocratie, il ne faut pas juste dire on a des élus, donc on est démocrate. Hein, C'est ce que j'essaie d'expliquer. Il faut qu'il y ait un, un endroit où on peut se débattre. Or, euh, à l'échelle européenne, il n'y a pas de réelle discussion collective entre Européens. Euh, il y a des discussions entre dirigeants européens, mais pas entre Européens. On n'a pas de presse européenne qui est, qui est forte. Ouais. Et, et donc, euh, l'instance réellement légitime pour, des, pour prendre des décisions, c'est l'instance dans laquelle les gens se parlent. Et pour des Français qui regardent les médias français, euh, euh, Blast, euh, euh, la télévision, la radio, les journaux nationaux, euh, c'est le débat national, c'est ceux pour lesquels ils votent. Et, euh, et donc si on dissocie l'endroit où on débat de l'endroit où on décide, alors on se trouve dans une situation qui participe à la délégitimation dé des, des institutions, puisque là on va, dé là on va débattre, on ne va rien décider du tout, ouais. et donc c'est cause toujours, et puis là on décide, il n'y aura plus de débat. C'est euh, typiquement la Commission européenne aujourd'hui, en partie. Et, euh, et, et ça, c'est très problématique pour l'avenir de la, société, la démocratie. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette Union européenne Eh bien, il faut, il faut euh, accepter, bon peut-être... Va, moi, je ne vais pas dire qu'il faut démanteler toute l'Union européenne, mais je dirais qu'il faudrait laisser à l'Union européenne des choses qu'elle peut tout à fait faire de manière légitime. Euh, comme, alors, quoi là, comme quoi Comme quoi Comme par exemple être un espace de coopération et de discussion entre dirigeants, euh, ce, ce qu'elle n'est plus en fait aujourd'hui, puisque c'est un espace de décision et pas de coopération. Mmh. Un espace euh, et puis, de lutte de lutte de... Enfin de, de rapport de force aussi, maintenant. C'est-à-dire que vraiment, euh, vu que euh, des décisions européennes vont être appliquées euh, aux différents pays de l'Union, euh, ça veut dire que quelqu'un qui veut un peu euh, s'imposer euh, et imposer quelque chose qui va être bien pour la France, par contre, mais qui va déplaire à l'Allemagne, il va euh, du coup essayer de négocier avec d'autres pays pour faire passer son truc en force, etc. Donc ça, ça crée aussi des... Des, des situations qui sont un peu euh, délétères. Quoi. Puis tout ce qui est, des, par exemple, les services publics, euh, le, la, la manière de réguler notre marché, notre fourniture d'électricité, euh, les transports, la SNCF, euh, la retraite, tout ça doit être décidé au, au niveau des États. Enfin, je veux dire, tout ce qui touche directement la vie des gens ne peut pas être décidé à mmh. une échelle où les gens n'arrivent pas à s'exprimer. Dans votre ouvrage, vous ne mettez pas l'urgence écologique, qui euh, l'urgence à sortir de, de la logique extractiviste, mmh. euh, et vous plaidez notamment pour le développement d'une économie circulaire en mmh. réponse à cette urgence-là. Comment est-ce que ça fonctionnerait cette alternative Alors c'est vrai que l'une de mes comment dire éléments de critique ou de débat avec les tenants de la décroissance, c'est que pour moi la décroissance si on la prend juste comme ça, je veux dire comme une baisse du PIB, euh, ça n'est pas une solution. Je veux dire, si on met deux fois plus de temps à arriver dans le mur, on arrive quand même dans le mur à la fin. C'est-à-dire qu'il ne faut <laughs> pas juste diminuer, on va dire, notre. notre mais après, ce c'est pas, pas que, je ça, sais, là, je je que sais, ça. On va je pas sais. avoir le débat maintenant, mais. Non, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je dis une conception à décroissance. Mais il y, y a aussi ça. C'est-à-dire il y a aussi l'idée qu'il faut diminuer le PIB. Bon, moi, je pense. Que ce qui est important, c'est la manière dont on, on crée l'activité. Et, et je suis d'accord que les décroissants disent ça aussi, hein, je ne m'oppose pas aux décroissants là-dessus, je voudrais juste clarifier le concept. C'est-à-dire le problème de l'insoutenabilité de notre système économique qui vient du fait qu'on extrait des ressources non renouvelables euh, qu'on transforme en déchets, euh, et ces déchets, euh, on ne les réexploite plus du tout. Donc, le, le système… Oui, et sans parler de l'extraction des énergies fossiles qui voilà. permettent d'avoir une économie toujours pareil. plus oui, productiviste. C'est ça. Dans les ça. Les et, et donc, on, on a un système qui n'est pas soutenable à long terme. Et tout le monde est d'accord pour, pour ça. <laughs> Jolie l'utilisation du mot délétère, c'est peu comme un merci. <laughs> et donc, la question, c'est comment fait-on pour avoir un système qui soit, qui, qui soit soutenable à long terme C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire est possible s'il y a une source d'énergie extérieure. Alors, la source d'énergie extérieure qu'on a… Bah, alors Bon, évidemment, il y a la question de la fusion, est-ce qu'on arrivera à faire la fusion, mais on a aussi des énergies comme le, le soleil ou des énergies renouvelables qui existent. Le, pour, pour comprendre ce que c'est que l'économie circulaire, il suffit de regarder ce que c'est que la biosphère. La biosphère, c'est un système qui fonctionne quasiment en économie circulaire. C'est-à-dire que tous les déchets organiques sont utilisés ensuite pour faire pousser de nouvelles plantes qui sont mangées par des animaux, qui eux-mêmes sont mangés par d'autres animaux, etc. Et à la fin, ça fait des déchets qui sont réutilisés par les plantes. Et tout ça fonctionne de manière complètement circulaire. Euh, depuis mmh. des centaines de millions d'années, euh, avec une énergie suivant, extérieure qui est le Soleil. <laughs> Alors, comment est-ce qu'on met ça en place Et dans ben, le il... système dans lequel on est actuellement Et ben, il, faut le... Là, il, y de... il y a plusieurs conditions. Il y a... En fait, il y en a trois. Euh, mais on va sur une. La première condition, c'est avoir de l'énergie extérieure. Bon, ça, c'est un problème technique. Il faut qu'on arrive à trouver une source d'énergie. majeur, quand même. Qui est très majeure, ouais. Mais euh, <laughs> on peut toujours penser qu'un jour, on arrivera à une source d'énergie abondante. mais... Euh... La, la, la deuxième, c'est technique même, euh, de même recyclage. Le là, je crois on euh, arrive à recycler ce qu'on ne sait toujours pas faire. Hein. Mais admettons, et voilà, soyons optimistes. Admettons qu'on arrive à résoudre des problèmes techniques. On a une énergie abondante admettons. et qu'on sache recycler <laughs> tous nos déchets. Eh bien, il resterait un problème économique. C'est ce sur lequel je veux insister. Aujourd'hui, euh, si on prend euh, du recyclé, comment dire, des papiers recyclés ou euh, certains euh, certains systèmes de recyclage, ils sont très coûteux en énergie, en temps de travail, et donc ils sont plus coûteux que ce qu'on extrait. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas à recycler. Hmm. C'est un problème de coût. C'est-à-dire que le, le, la, la, que le, si le coût de cher production d'un composant recyclé est parfois plus coûteux, donne, hein. très souvent plus coûteux, que euh, l'extraction d'une nouvelle ressource. Et, et, et en fait, euh, on pourrait recycler beaucoup plus de choses si on rendait beaucoup plus coûteux l'extraction. Et ça, c'est un choix qu'il faut faire. Euh, par, par, exemple, la par la force des politiques publiques. Par la force des politiques publiques, c'est-à-dire que, par exemple, si euh, ça coûte toujours moins cher euh, d'extraire du pétrole euh, pour faire voler des avions que de construire, d'innover pour faire un avion qui serait propre, à une... alors pour l'instant on l'a toujours pas cet avion, mais mmh. d'un autre côté on le cherche pas vraiment. Ouais. Quand il a fallu faire la, la guerre. C'est le genre de choses qui sont mises dans des budgets RD de, de compagnies aériennes, enfin ou plutôt de constructeurs d'avionneurs, voilà, c'est le terme que je cherchais, qui vont mettre une partie de leur chiffre d'affaires, en, euh, enfin plutôt de leurs bénéfices, en, parce que c'est souvent dans les bénéfices qui, qui récupèrent des, des budgets RD, entre guillemets, euh, pour travailler sur ces sujets-là. Euh, sauf que du coup, euh, ils y mettent beaucoup moins de budget que si vraiment euh, leur leur euh, comment dire si si, bah, si leur cœur de métier en dépendait vraiment quoi. C'est à dire que si vraiment on disait bah non ça revient beaucoup trop cher de, de créer des nouveaux avions euh, bah, qu'est ce qu'on fait voilà quoi. Hier, la seconde guerre mondiale et il fallait avoir la bombe atomique. Les Américains ils ont ils ont dépensé des milliards et puis ils ont eu la bombe atomique en quelques années. Euh, quand non, on n'est pas assez dans l'innovation. Il y a plusieurs choses. Mais on ne peut pas laisser tomber l'innovation. cest dire que l'innovation fait partie, des, 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 comment dire, fait partie des, des questions. Mais on ne cherche pas à innover. C'est-à-dire que concrètement, l'innovation aujourd'hui, elle est, est faite par Elon Musk, qui n'a absolument rien à faire de, du climat. Ouais. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est aussi à nous de nous prendre... En main. Ah. Si on veut réussir à recycler davantage ah, nos déchets, qui, euh, il va bien falloir qu'on trouve ouais. des techniques pour le faire. Et pour ça, il faut, 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 des, faut des sous. Et ces sous, ils ne ils vont pas venir du marché, en fait. Mais dans tous les Encore cas, quand même, pour rappeler ce qu'il y a dans les... Enfin, le, notamment <laughs> le dernier volet du dernier rapport du GIEC, ça, on appelle quand même à une sobriété, c'est-à-dire à moins ah, de consommation et donc à pas plus de production euh, particulièrement. Ah, mais je, je suis d'accord avec ça aussi. Euh, mais l'un ne, ne s'oppose pas à l'autre. Euh, pour, pour moi, le, le débat à croissance verte euh, contre décroissance ou sobriété euh, n'est pas un bon débat, parce qu'on dit aux gens, bah, vous avez choix entre deux, mauvais, enfin, deux mauvaises alternatives, soit continuer de produire toujours plus, euh, avec la technologie, et vous allez voir, euh, la technologie va nous sauver oui. ce qui, Donc, ce qui est up, impossible. Voilà. Soit on dit aux gens, écoutez, maintenant c'est l'austérité à vie. Et l'austérité, c'est aussi un discours néolibéral. Il faut faire attention avec ça. Il ne faut pas dire aux gens c'est l'austérité à vie. Il faut dire aux gens, la sobriété euh... n'est pas forcément austérité. Oui, enfin, mais c'est compliqué comme jouer ça parfois. Sur, sur les termes. Mais... Par, par contre, il y aura de l'austérité. Enfin, il y aura moins de pouvoir d'achat parce que si on veut passer à un système mais soutenable, il, y aura il la va la falloir qu'on ait quoi, enfin... plus de consommation collective. On a compris. Ah, mais... Consommation collective, ça veut dire euh, que chacun consomme pas tout ce qu'il veut à tout moment, euh, mais on essaie de s'organiser pour gérer euh, la pénurie correctement, et faire en sorte que les besoins les plus fondamentaux soient assouvis avant les besoins les plus facultatifs. Mais, mais, mais ça, ça veut dire qu'on qu qu perd une partie de notre liberté quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout consommer. Par exemple, euh, un exemple que je prends dans le bouquin, euh, Elon Musk, euh, lui, ça ne le dérange pas d'extraire de, du pétrole pour euh, faire du tourisme spatial. Ça, euh... on interdit. Bah oui, mais ça, ça, on interdit, bien sûr. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert? Donc il faut imposer, enfin si je vous suis de nouvelles contraintes, il faut essayer de trouver des modèles plus vertueux pour... Euh, répondre à, à la nécessité de sortir du modèle extractiviste et mmh. polluant, et vous replongez également euh, bon, dans les modèles de planification qui <laughs> ont permis euh, les trente glorieuses. Est que, et, et vous dites que peut-être on pourrait aussi replanifier euh, l'économie aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait faire Comment est-ce que ça fonctionne ben, par, par un système bureaucratique, c'est-à-dire avec la concertation des parties prenantes, mais aussi en régulant les prix des moyens de production. C'est-à-dire qu'en fait, l'une des choses qu'il faut distinguer en économie, c'est euh, ce qui sert à produire et ce qui est des biens de consommation. Euh, je, je suis pas pour que, on, enfin, bien sûr, il faut agir sur la consommation des gens, mais on peut agir sur la consommation des gens en leur proposant déjà des produits de meilleure qualité, qui vont durer plus longtemps, qui sont plus sobres énergétiquement, etc. Mais après, l'un des moyens d'agir sur l'économie qu'a l'État, c'est euh, de planifier à partir d'une gestion qui soit ici beaucoup plus centralisée euh, des ressources naturelles euh, et des moyens de production. Par exemple, bah on sait que les ressources naturelles, le pétrole par exemple, il y en a une quantité limitée. Alors on pourrait dire bon, on va plus, plus rien extraire. Mais si aujourd'hui on dit on va plus rien extraire comme pétrole, alors comment, comment l'infirmière va faire pour faire sa tournée avec sa voiture et aller voir ses malades Donc il faut réfléchir un peu sur la, la période de transition. Euh, ce qu'il faut dire, c'est simplement tout ce qu'on extrait comme pétrole, il faut le réserver à des, à, à des, à des, des usages, usages euh, pour lesquels on n'a ouais. pas d'alternative que le pétrole. Hum. Euh, et donc, il faut quelque et part faut que la planification ça, ça, se fasse en, en ayant euh, pour ces matières premières un, un prix déjà qui soit euh, accessible, qui soit décent, mais peut-être pas forcément le même prix pour tous. Peut-être mmh. que euh, l'infirmière qui n'a pas d'autre choix que d'avoir sa voiture pour faire son, sa tournée, euh, elle, elle a le droit au pétrole. Mais peut-être que. Elon Musk, faire du tourisme spatial, lui, il n'a pas le droit. Mais peut-être que même certains pourraient y avoir droit, mais avec un prix plus élevé. Voilà, peut-être que ça. le pétrole, lorsqu'il permet aux cars scolaires d'avoir des enfants et d'éviter les transports en voiture, il est utile. Mais que quand il s'agit de faire des, comment dire, des trajets domicile-travail, alors qu'il existe une solution alternative, il n'est pas forcément utile. Euh, donc, le contrôle des prix, c'est aussi la manière de, de rendre citer, acceptable, on va dire, une ouais. situation de pénurie mmh. ou une situation où on veut décroître certains types de consommation. En tout cas, tout ce que vous proposez, ça implique une très forte présence de la puissance publique qui doit être organisée. En concertation, en voilà. démocratie, selon vous. Mais il y en a qui pourraient vous dire que, bon, tout ça, c'est de la théorie, c'est bien, qu'effectivement, on adhère tous à ça, mais que peut-être c'est une forme. Parce que vous vous, vous rappelez que vous, vous voulez garder un équilibre avec le marché, qu'il faut garder mmh. le marché, et on pourrait le comprendre comme une forme de, de capitalisme un peu encadré, fin de revenir mmh. à un, ouais, un libéralisme encadré par l'État, euh, mais que, bon, peut-être ça ne fonctionnerait pas dans la, dans la réalité. Comment est-ce qu'on passe de, du système actuel, qui encore une fois, est. Violent, injuste, euh, qui provoque euh, la destruction des écosystèmes, euh, la pollution, le changement climatique. À euh, ce que vous proposez-vous mmh. Est-ce que vous pensez que c'est possible Alors en fait, c'est possible puisqu'on l'a déjà fait. J'ai parlé de l'économie de guerre à, à dessein mmh. et les trente glorieuses qui ont succédé un peu à oui, l'économie de, de guerre. On a déjà euh, aux États-Unis en 45, euh, il y avait 90% des prix qui étaient contrôlés par l'État américain. Alors moi, je ne pense pas qu'il faille contrôler 90% des prix, euh, mais il est vrai que l'effort de transition écologique va nécessiter quand même beaucoup de contraintes. Euh... Et l'analogie avec l'économie de guerre ne veut pas dire qu'on sera en guerre, mais ça veut dire que la, comment dire, la, la, la transformation de notre système économique, il est de même ampleur. Et donc il va falloir que l'État recontrôle ouais. les prix, et il a déjà pu le faire lorsqu'il fallait combattre l'Allemagne nazie. La question est qu'aujourd'hui, il refuse de le faire parce que le danger climatique... Après tout, est-ce que la nazie n'était pas moins dangereux que le réchauffement climatique je pose ça là, n'apparaît pas si important pour beaucoup de gens, en fait. C'est ça le pro vrai problème. Si on se mettait, on disait, bah, écoutez, le danger climatique, c'est aussi important que de gagner la guerre contre le nazisme en 45, peut-être qu'on arriverait à davantage euh, organiser les choses comme ça. Oui, mais on a la sensation que ça paraît encore plus impossible. En, on a quand même beaucoup d'informations sur le changement euh, climatique et même les gens qui sont très informés sur les conséquences. On a l'impression qu'on arrive plus collectivement à envisager la fin du monde, enfin, euh, en, oui, en ben, un terrible. peu, que la fin du système néolibéral, c'est tellement imprégné qu'on se dit quand on s'attaque à tout ça et, et encore une fois ici on en parle beaucoup de, de, de voilà d'essayer de trouver des alternatives, des voies de sortie et c'est tellement imprégné partout. Cette idéologie est tellement puissante et ouais. présente qu'on se dit euh, que peut-être euh, bah, c'est perdu et que finalement de toute façon est voué, euh, on est voué à subir les conséquences de, de cette, euh, cette catastrophe climatique. Non mais ce que vous dites sur... c'est parfaitement vrai. On n'arrive plus facilement à, à envisager. Euh, L'effondrement <laughs> qu'envisageait ouais. la fin du néolibéralisme. Ouais, je, je suis d'accord. Ouais. Je, je, une des choses que j'essaie de démontrer. Euh, dans l'imaginaire collectif, je pense que c'est plus facile d'imaginer euh, un monde à la Mad Max, euh, des trucs comme ça, que de dire il euh, n'y a plus de marché. Quoi Pardon Comment on fait Décortiquer l'idéologie, la doctrine, pour comprendre que, et puis montrer qu'on a pu faire différemment, pour comprendre que c'est possible. Parce que j'en suis persuadé, après cette recherche que j'ai faite sur les Trente Glorieuses, je, je suis persuadé que c'est possible. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que c'est possible qu'on va y arriver, d'abord. Et euh, il faut déconstruire une forme de, de vision que le marché, c'est un élément objectif qui détermine objectivement la valeur. Non, le marché, c'est nous qui le créons. Et l'une des raisons pour lesquelles on n'envisage pas la transformation du système, c'est qu'on a perdu confiance dans nos responsables politiques. Et qui d'ailleurs, malheureusement, nous donne toutes les raisons de ne plus avoir confiance en eux. Et c'est ça le vrai problème. Et euh, en fait, je suis assez pessimiste dans le livre. Ah non, c'est une émission où on veut donner des solutions, des alternatives. <laughs> C'est-à-dire que l'alternative euh, néo-féodale, d'État autoritaire, euh, elle est très probable en fait aujourd'hui. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on ne peut pas, ah pas oui. se renoncer. au féodalisme ah bah <laughs> Voilà, maintenant, ça va être euh, du, euh, du néo-féodalisme avec un autocrate qui va nous diriger et, et gérer les pénuries, euh, pas de manière écologique d'ailleurs, mais de manière à donner aux copains et à de rien donner aux autres. Euh, ça, c'est possible que ça arrive. Euh, mais d'un côté, il existe des solutions alternatives. Mais on a des gens qui nous regardent, qui peut-être n'ont pas très envie de rentrer dans un État autocrate, autoritaire, où, euh, ou état un, un souverain, État encore plus suverain. débridé. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, en tant que citoyens Peut-être que ce n'est pas forcément le rôle de votre livre, mais déjà de donner des clés de compréhension aux gens, c'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission. Et, et qu'est-ce qui pourrait nous donner des raisons d'espérer eh bien, ce qui peut donner des raisons d'espérer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des enjeux importants, urgents, je peux parler du Covid euh, où euh, on a réussi à euh, mettre, un, euh, comment dire, à, à changer très rapidement notre économie. On a réussi à fermer des boutiques, à, à faire des choses. On peut parler de l'économie de guerre et l'expérience des Trente Glorieuses, qui ont été une expérience d'économie régulée par l'État. C'est possible, ça a déjà été fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos responsables politiques N'envisage pas encore ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire eh ben, Essayer de voter pour des gens qui envisagent déjà. Euh, donc d'ailleurs, le terme euh, planification écologique, il a quand même fait recette, même si le contenu derrière n'est pas clair, hein, euh, c'est vrai. Euh, et, euh, et donc il faut. Je... Et peut-être aussi faire pression sur les politiques pour qu'ils changent leur, leur façon de. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais alors il faut faire aussi attention sur des notions à gauche en particulier, comme le pouvoir d'achat, parce que moi je pense que le pouvoir d'achat va diminuer, c'est-à-dire le pouvoir d'acheter, ça ne veut pas dire que le niveau de vie va baisser. Oui. Hein? C'est très mais important de faire. Mais oui, de... mais c'est ça, ça. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on associe tellement le pouvoir d'achat au, au, au niveau de vie, parce qu'on a tellement intégré le fait qu'on n'existait que par sa consommation de marchands. De de le super pouvoir, le pouvoir d'acheter de, de marcher, alors qu'on pourrait exister change. par la consommation de biens non marchands. Et, euh, et, et par une, une gestion un peu différente que le marché euh, des, des ressources qu'on a. Et euh, donc il faut aussi qu'à gauche, on soit un peu plus clair sur certains trucs. C'est-à-dire dire, dire qu'on veut défendre les services publics, c'est bien, mais aussi le non-marchand, et que l'objectif, c'est parfois la consommation collective plutôt que la consommation individuelle. Euh, donc ça, c'est pour la gauche. Et puis pour la droite, euh, leur dire, écoutez, on ne peut pas laisser les entreprises euh, confrontées à un marché d'électricité qui a fait, fait n'importe quoi. Et essayer de trouver un moyen pour réguler des prix d'énergie, par exemple. Dans l'immédiat, là, parce qu'en fait, on n'a pas un gouvernement de gauche actuellement. Donc non, euh, mais le gouvernement, euh... il est conscient que le marché électricité, ça fonctionne pas, euh, puisqu'il est obligé de répondre aux boulanger. Euh, et puis, de... après, mais le problème, c'est que pff, il n'a pas l'impression ai qu'il ait vraiment envie. De, de plus... remettre en cause le marché européen de l'électricité. Enfin, clairement, la volonté politique elle n'est pas là. Peut-être que ça Mais... dépendra de la présence et la, la, la puissance de la pression de l'opinion publique oui. sur, sur tous ces sujets. Et puis ça dépendra aussi qu'il ne faut pas voter pour Bruno Le Maire en 2027. Hein. <laughs> et on va terminer sur, Allez <laughs> sur cette phrase d'espoir. <laughs> C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, David Kayla, d'avoir été, été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre, Déclin et chute du néolibéralisme, disponible aux éditions de Bonne supérieur bon pas bah, très cool on a appris des choses puis on a on a réfléchi un peu à des, des alternatives et ben bah, parfait du coup on a fini le programme de la journée et on a pu enfin voir cette vidéo qu'on avait dont on avait parlé la semaine dernière alors On va, ben, va s'arrêter là du coup. Merci à tous ceux qui sont passés sur le stream. Et euh, on va lancer un raid. On va lancer un raid. Alors qui est là euh... Pam pam. Ah, Et du coup, il n'y a pas aurore. Euh... Ben, en fait, du coup, on va pas lancer de raid. Parce que... Euh à moins que vous vouliez aller sur euh, sur Ponce par exemple non Non, bon bah tant pis pour cette fois-ci du coup il n'y euh, a personne pas de petite chaîne en ligne ou quoi donc tant pis bon et ben à la prochaine du coup prochain stream euh, jeudi midi avec Peut-être un stream un soir entre les deux, pas certain, pas certain. Euh, plus probablement vraiment euh, jeudi midi, voilà. Et du coup, ce sera euh, bah, comme d'habitude, hein, maintenant euh, la revue d'actu. Euh, on verra un peu les matinales et en fonction, euh, si les matinales sont, si il n'y a pas de, de sujet vraiment intéressant, euh, peut-être qu'on regardera un peu. Euh, des sujets sur la, mobilis la mobilisation de demain ou des choses comme ça. On verra. Bon, bonne journée à tous. Salut Je coupe le stream.